vivre cette première journée d'un week-end qui s'annonce exceptionnel ici à Guégon dans le cadre des boucles guégonaises, avec aujourd'hui les féminines à l'honneur puisque nous allons vivre la première manche de la Coupe de France réservée au N1. Et pour vivre cette épreuve, je suis en compagnie d'une ancienne cycliste professionnelle, Lucie Jounier. Bonjour Lucie. Bonjour. Très heureux de t'avoir à nos côtés. Lucie, ça te fait quoi là de revenir au bord des courses quelques mois après l'arrêt de ta carrière ? Je suis super contente d'être là. Ça fait depuis ma dernière course, j'ai pas retrouvé le bord des circuits. Donc ouais, je suis super contente de retrouver un peu la fièvre des pelotons et la ferveur du public breton, c'est sympa. On a pu échanger avec les concurrentes il y a quelques minutes, hein, puisqu'elles se sont élancées aux alentours de 15h, il y a donc un peu moins d'une demi-heure. On sent qu'il y a de la pression quand même, on sent qu'on essaye d'être détendu, mais on voit derrière les sourires qu'il y a quand même une certaine pression de lancer la Coupe de France ici à Guégon. Ouais, il n'y a pas eu de test avant, il y a eu juste les plages vendéennes, donc on sent que les filles... Elles connaissent leur niveau, mais pas le niveau de tous les adversaires. Donc c'est toujours elles ont besoin de se tester toujours avant un grand rendez-vous. Et là, elles n'ont pas vraiment eu beaucoup d'occasions, mis à part les plages vendéennes. Donc ouais, il y avait un peu de pression cachée derrière des sourires, un peu de pression. Et on va se parler aussi franchement, la Coupe de France, c'est quand même le rendez-vous incontournable pour l'ensemble des collectifs de N1 présents pour ce week-end dans le Morbihan. Ouais, c'est super important pour les équipes N1, voilà, ça montre le potentiel défi déjà pour passer après au-dessus dans les pelotons professionnels et même pour le staff, pour les équipes, c'est le seul moyen entre guillemets de montrer les sponsors, donc c'est super important et voilà, il y a beaucoup d'enjeux pour les équipes. Et cette année, il y aura moins de manches que l'an dernier, on va y revenir, la Coupe de France qui se lance ici en Bretagne avec les boucles guégonnaises et qui se clôturera en Bretagne, non pas dans le Morbihan mais dans le Finistère avec la Pointe du Raz Elite Challenge qui sera organisée le dernier jour du mois d'août et le premier jour du mois de septembre. On aura évidemment l'occasion d'en reparler. On va retrouver tout de suite les images du départ. Je vous le disais, ça a été lancé, on le rappelle, à 15h tout à l'heure avec Didier Marchand, le président du comité de Bretagne, qui était là. Et contrairement à l'an dernier, ce sont des conditions plutôt agréables parce que l'an dernier, je ne sais pas Lucie si tu avais eu l'occasion de voir les images, mais il y avait de l'eau, il y avait de la grêle, c'était horrible. Là aujourd'hui, on risque d'avoir quelques averses, mais par contre, on l'aperçoit ici avec le drapeau des boucles guégonnaises, énormément de vent quand même. Ouais, j'avais vu quelques photos, j'avais eu quelques échos, c'était vraiment un temps, on peut le dire, catastrophique quand même, froid, de la pluie, de la grêle. Là, on a eu un peu de pluie avant le départ, mais ça a l'air de se maintenir pour l'instant. Donc voilà, c'est le vent qui va peut-être beaucoup jouer, notamment sur la ligne d'arrivée avec un vent de côté, si ça arrive au sprint, il faudra jouer au plus malin. On va attendre, on a le temps de savoir qui va succéder à Julie Bégaud qui s'était imposée en solitaire sous la pluie l'an dernier. On se rappelle évidemment de la victoire de la concurrente qui représentait à l'époque le Chambéry Cyclisme Compétition Féminin. Depuis, elle a eu l'occasion d'être sacrée championne du monde. Elle porte le maillot arc-en-ciel. Et puis la petite stat que tu nous révélais aussi, Lucie, en ce qui concerne la Coupe de France, quand même, le classement général de la Coupe de France. Je crois que le top 5 des féminines de la Coupe de France N1 l'an passé sont passées professionnelle cette année. Exactement, ouais, c'est quand même mais c'est beau quand même de se dire que ouais, le top 5 ont toutes réussi, les 5 filles ont toutes réussi à passer l'échelon supérieur, donc ouais, ça montre qu'il y a quand même un sacré niveau en France et sur les Coupes de France. Et ça veut dire qu'au-delà de la pression pour les équipes aussi qui veulent garder leur place en N1, qui veulent essayer de maintenir leur positionnement, il y a aussi pour la performance individuelle, pour l'évolution individuelle, ce besoin de se montrer parce que, on le sait, les spécialistes du recrutement des équipes professionnelles regardent à la fois évidemment les performances et les classements, mais regardent aussi parfois les lives ou sont au bord des circuits pour voir ce qui se passe sur ces Coupes de France. Ouais, c'est clair, il y a beaucoup d'enjeux et puis on va être honnête, maintenant les filles passent de plus en plus jeunes à l'échelon supérieur, donc... Des juniors arrivés en espoir 1, les filles peuvent signer un contrat, on l'a vu encore cette année, donc il y a beaucoup d'enjeux pour les filles, il y en a beaucoup dans le peloton qui ont envie de voir autre chose et ont envie de découvrir les pelotons professionnels dès l'année prochaine. Alors on parle d'un peloton, pas trop conséquent, c'est un peloton idéal là j'ai envie de dire pour une course comme une Coupe de France, parce que c'est vrai que les routes ne sont pas non plus très très larges, on se retrouve avec un peu moins de 80 concurrentes, c'est l'idéal.
C'est ça, ouais, parce qu'après, voilà, si on est trop compliqué de, ça peut être compliqué de remonter un peloton de 100, 150 filles. Donc là, ouais, c'est l'idéal. Et on voit que y a déjà des filles en difficulté parce que ben, le vent, le circuit est usant. C'est un vrai circuit breton, donc ça peut faire des dégâts dès le début. Avec ici Iris Gabelli hein, qui avait un petit peu de mal effectivement pour cette formation du team Centre-Val de Loire féminin. Avec dans cette équipe bah, plusieurs concurrentes qui ont eu l'occasion de s'illustrer depuis le début de l'année. Et puis cette fameuse Léane Tabu, cette pépite encore dans les rangs juniors qui l'an passé en première année a décroché 3 titres de championne de France, a brillé sur les championnats d'Europe, a été chercher des perfs exceptionnelles. Voilà, ça fait partie des concurrentes qui seront peut-être plus que surveillées aujourd'hui. Donc c'est ça aussi le problème. C'est que dans le peloton féminin aujourd'hui, on a quelques noms comme ça pour chaque équipe où on se dit, oula, attention, elle, il y a le niveau, mais c'est aussi les concurrentes qui vont être le plus surveillées. C'est ça, voilà, elles vont avoir la pancarte, comme on dit dans le jargon du vélo. Elles vont être marquées. Léane Tabu, c'est sûr qu'elle a fait une saison incroyable l'année dernière. Elle a tout gagné sur le championnat de France, sur route, le contre-la-montre et le relais mix. Donc elle va être attendue. Elle nous disait tout à l'heure en plus qu'elle n'avait pas eu la chance de courir l'année dernière à Guégon. Donc là, elle a vraiment envie de bien faire et de découvrir cette course. Les concurrentes qui ont eu l'occasion tout à l'heure de terminer un premier tour. On aperçoit le lancement de cette fameuse côte du camping hein, qui va débuter ici avec cette petite cuvette et qui va se prolonger un petit peu plus loin. Elle a été lancée il y a quelques minutes, mais c'est vrai que c'est la difficulté majeure et c'est souvent ce plan que vous allez voir au moment des attaques parce que c'est vrai que c'était le cas l'an dernier, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, et c'est encore le cas, on le confirme, avec le gros positionnement. Là, depuis tout à l'heure de la formation vendéenne, la formation venant de La Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme hein, qui a pris le nom la Dynamips Clarisse Automobile cette année. Et on voit que les filles au maillot vert et noir sont très offensives depuis le début de la course. On les a vues mener avant le deuxième tour sur la ligne d'arrivée. Donc ouais, j'ai l'impression qu'elles veulent vraiment faire une course offensive. Et ça commence dès maintenant, quoi. On va vous inviter aussi si vous êtes sur la page Facebook de l'organisation, différents moyens évidemment de regarder ce direct, que ce soit sur le site du Telegram, que ce soit également via l'application Vélo Plus TV. N'hésitez pas à nous envoyer aussi bah, vos petits messages, vos questions peut-être, et puis encourager vos favorites. On fera le point régulièrement évidemment sur ce direct au moment où les filles ne devraient plus tarder maintenant à nous rejoindre pour un deuxième passage sur la ligne. Alors il y aura un classement point chaud qui sera organisé d'ailleurs au prochain passage sur la ligne. Là aussi, il y a une volonté d'aller chercher des points tout à l'heure pour le classement de la Coupe de France. Allez, on va rentrer dans Guégon à l'instant. On voit que ça se regarde un petit peu dans le peloton, hein, parce qu'on occupe presque toute la largeur de la route en ce qui concerne la première ligne. Mais on sent aussi que ça a accéléré, Lucie, avec de plus en plus de filles et presque des bordures qui sont en train de se faire à l'arrière du peloton. Exactement, ouais. Le vent va beaucoup jouer aujourd'hui, j'ai l'impression. Et il me semble que c'est Sarah Pope à l'avant qui a lancé les hostilités sur cette première manche de Coupe de France. On va pouvoir le constater dans un petit instant, évidemment, pour savoir ce qu'il en est sur la tête de course, effectivement, avec la présence à l'avant de Sarah Pope, que l'on va pouvoir retrouver ici sur cette ligne d'arrivée que vous découvrez pour celle qui a déjà été lauréate hein, d'étape sur la route de l'Ouest. C'était il y a quelques semaines, sur le début de saison. Elle a eu l'occasion de lever les bras. Elle était troisième à Albi. Elle était également dans le top 10 des plages vendéennes pour celle qui a déjà brillé en Bretagne aussi, avec un top 10 sur la Dural Edit Challenge l'an passé, et on voit que ça réagit derrière avec déjà la formation Chambéry Cyclisme Compétition et le peloton qui est en train de littéralement déjà d'exploser dans les premières positions. Chambéry et Lanester, ouais, Chambéry, l'équipe sortante, enfin l'équipe qui avait remporté l'épreuve l'année dernière, donc ils ont vraiment pas envie de laisser échapper la victoire aujourd'hui.
Et on voit que ça se regarde aussi. C'était Clémence Latimier, je pense, hein, pour la formation de Chambéry. Et pour Lanester, c'est Noémie Doma qui a porté son accélération alors qu'on aperçoit des petits groupes maintenant qui sont en train de passer sur la ligne. Ça va être long, hein, pour les filles qui sont déjà distancées maintenant. Mais on le dit, les places pour la Coupe de France, il faut aller espérer rentrer dans le top 20 pour apporter des points à son équipe. Donc on va peut-être aussi demander à un moment donné, s'il y a trop de lâchés aussi, de continuer la course pour aller chercher le maximum de points à engranger pour la Coupe de France. Exactement, ouais. Et j'ai l'impression que c'est Sophie Almeida en dernière position. Elle qui avait déjà eu l'occasion de briller l'an passé, hein, qui était dans les toutes meilleures. Voilà, quatrième l'an passé, donc... Alors on nous annonce effectivement après ce qui s'est passé tout à l'heure, Noémie Doma a été rattrapée, hein, pour la formation lanesterienne quelques instants après le passage sur la ligne. On se retourne, on regarde ce qui se passe derrière. C'est compliqué de partir toute seule là, un petit groupe ça serait quand même beaucoup mieux et moins fatigant pour elle forcément. En même temps, difficile de se relever aussi une fois, voilà, qu'on a lancé l'effort. On voit que derrière, ça continue de rouler. On espère peut-être qu'un petit groupe va pouvoir se former. Ouais, à ce moment-là, on espère vraiment que quelqu'un va nous rattraper et nous épauler, parce que là, ça peut être compliqué. Ouais. Alors qu'est-ce que ça va donner pour le peloton maintenant? Comment le peloton va se comporter? Parce que c'est vrai que nous avons la cité des formations qui brillent pour le cyclisme féminin depuis de nombreuses années, que ce soit la formation venant de Vendée, que ce soit donc cette formation de Chambéry, la formation lanesterienne qui connaît cette année sa troisième saison, après avoir, dès son entrée dans le monde du cyclisme féminin, remporté le classement général de N2. C'est la deuxième saison où on les retrouve en N1 maintenant. Et voilà, elles sont loin d'être ridicules, évidemment, les filles de Lanester, dès leur entrée. Hein, on a senti l'ambition de toute l'équipe, évidemment, de Christophe Royer, le manager général de cette formation lanesterienne qui évolue à domicile. Ça aussi, c'est une chance, hein, pour les féminines. Alors, à domicile, certes, on n'est pas tout proche de Lanester, mais on est à une petite heure de Lanester. On est dans le même département, donc vis-à-vis des partenaires, on rappelle, hein, l'équipe, c'est Lanester Women Morbihan. On est dans leur département, donc forcément, la volonté aussi de briller aujourd'hui. Forcément, ouais, ça rajoute une motivation supplémentaire. Et ouais, au briefing, je pense que voilà, le staff a vraiment envie de lever les bras aujourd'hui, envie de se montrer. On est dans le Morbihan, c'est la première manche de Coupe de France. Et celle qui gagne, elle est sûre d'endosser le maillot de leader. Donc forcément, on a toute envie de lever les bras aujourd'hui. Depuis leader de la Coupe de France, on l'a dit, succédé à Julie Bégaud, celle qui est devenue quelques mois après les boucles guégonnaises championne du monde. Forcément, ça parle aussi pour les différentes concurrentes. Pour l'instant, on ne revient pas sur la concurrente de tête, Sarah Pope, qui mène toujours les débats, toujours au commandement de cette épreuve, avec un écart qui est même en train d'augmenter en faveur de la concurrente de tête. Et derrière, on aperçoit des petits groupes. Je pense que c'est encore Chambéry qui est en chasse derrière. Mais ça doit être l'Iséroise, hein, Clémence Latimier. Le peloton est pas loin derrière elle, mais Sarah Pope, ouais, fait un bel effort pour ce début de course. On évoquait tout à l'heure Clémence Latimier en deuxième position, hein, pour la formation Chambéry Cyclisme Formation. C'est un parcours atypique, hein, c'est sa troisième année vraiment de vélo. Et elle a déjà eu l'occasion de participer au Tour de l'Avenir. Donc ça vous montre aussi la force de cette concurrente qui a eu l'occasion aussi, eh bien, de briller, que ce soit sur les championnats de Auvergne-Rhône-Alpes où elle avait pris une belle cinquième place, et sur différentes épreuves régionales où on la retrouvait régulièrement sur les avant-postes. Alors que le vent ne faiblit pas, ici nous on est vraiment sur la ligne d'arrivée, et je peux vous dire que ça souffle dans les tunnels, sur la ligne d'arrivée, avec quelques averses. C'est des conditions difficiles, alors pas autant que l'an dernier, parce que c'est vrai qu'il y avait vraiment un froid et cette grêle qui était régulièrement présente, mais là le vent, quand vous le voyez ici sur ces parcelles qui sont très dégagées à plusieurs endroits du circuit, ça va vraiment avoir son importance. C'est clair, ça va jouer beaucoup, surtout en fin de course. Elles ont quand même 10 tours, donc...
Et ça ressort derrière au moment où effectivement on voyait la formation de La Roche-sur-Yon qui était en train tout simplement de contrôler l'attaque qui vient de se faire pour le team L Groupama Pays de la Loire. Sophie, du moins Ilona Fetou qui est en train de revenir. Ilona Fetou qui a lancé son accélération, c'est ça aussi le risque, hein, ne pas s'enterrer. On voyait que la formation vendéenne était venue aux avant-postes. En même temps, c'est pas forcément le meilleur scénario pour eux d'avoir une seule fille à l'avant. C'est ça, le problème, c'est qu'il ne faut pas trop griller de cartouches en début de course non plus et ne plus avoir de filles en fin de course. Mais voilà, elles ont envie de faire la course, de durcir cette première manche et c'est ce qu'elles font. Mais toutes seules comme ça, ça va être compliqué. En plus, voilà, on voit qu'il n'y a pas d'abri, c'est en plein vent, quoi. On se retourne régulièrement, on met le petit coup d'œil derrière l'épaule droite pour essayer de savoir ce qu'il en est parce que, ouais, mine de rien, là, elle est en train de laisser du jus quand même. Hein. C'est, ouais, exactement. Et là, on a vraiment envie, on sent qu'elle a envie de... Elle a besoin d'avoir du soutien, la pauvre. Et peut-être que derrière, Chambéry va réussir à revenir ou... Alors, est-ce qu'il y a encore la concurrente de Chambéry intercalée? C'est la question que l'on se pose à l'heure actuelle. Avec Ilona... Alors, là, on sent que c'est dur. Hein. On va pouvoir se tourner et on va pouvoir apercevoir que c'est bien le peloton. C'est le peloton, ouais. Peloton qui a déjà perdu de nombreuses unités. Hein. On rappelle, elles étaient un petit peu moins de 80 à prendre le départ tout à l'heure. C'était sur les coups de 15h, 15h pour être tout à fait précise. Et il y a quelqu'un qui est ressorti du peloton. Ouais, le peloton est en mouvement, ça attaque de tous les côtés. On a aussi deux professionnels au sein de ce peloton, donc je pense que tout le monde attend un peu à avoir une attaque de Noémie Abgral, qui est réputée quand même pour ses attaques, ses nombreuses attaques durant les courses. En même temps, c'est pas étonnant d'avoir aussi cette petite période. Alors, on va pas dire d'attente parce que ça roule hein, quand même, mine de rien. On voit que le peloton arrive régulièrement quand même en file indienne. On voit que c'est difficile d'arriver dans les premières positions, mais de ne pas réussir finalement à sortir parce qu'on l'évoquait tout à l'heure en ouverture ensemble, Lucie. Voilà, au moment où une nouvelle accélération, il y a de l'enjeu. C'est vraiment le premier gros rendez-vous de la saison pour ces jeunes femmes évoluant en N1 avec cette Coupe de France qui se conclura, je le disais, le 1er septembre avec la pointe du Rallye Challenge, un peu moins de manches cette année en plus, donc le besoin aussi pour ces clubs d'exister, pour ces équipes d'exister. Alors maintenant, est-ce qu'on l'a comme ça en point de vue avec seulement une petite cinquantaine de mètres? Est-ce qu'on va réagir ou est-ce qu'on va la laisser? Finalement, c'est pas dangereux de l'avoir devant comme ça, non, hein, c'est plus la laisser s'épuiser. Exactement. La laisser se fatiguer et la reprendre sur une prochaine accélération facilement, donc... C'est coup double là, soit un petit groupe ressort, mais ça me paraît quand même... On va peut-être profiter aussi du faux plat de la ligne d'arrivée qui va approcher très très vite pour avoir une nouvelle situation de la course. Ça ressort à nouveau, une accélération sur désormais la gauche. On va venir chercher la meilleure des trajectoires hein, avant le rond-point. L'écart qui vient de diminuer évidemment, vous le constatez à l'œil nu, hein, on est à moins de 15 secondes. Ah, et ça bouge hein, derrière avec plusieurs formations. Pour l'instant, l'écart qui est minime, on se retourne. Hein. Y a pas vraiment, on n'arrive pas à sortir non plus, à organiser quelque chose. Il y a un petit trio qui, a priori, a créé quelques mètres. Mais bon, ça ne va pas être suffisant, je pense, pour faire la différence. C'est compliqué, ouais. Elle a vraiment fait une belle attaque, Sarah Pope, vraiment. Alors qu'on nous annonce a priori que c'est compliqué pour Ambre Jouot, la concurrente de la formation de la Braze Ladies. A priori, changement de vélo, problème mécanique pour la concurrente formée donc à Vitré, au CC Vitré, la spécialiste du cyclocross qui est en ce qu'on appelle junior, hein, les nouvelles appellations bien sûr U19, mais qui est encore U19 donc, et qui avait pris une quatrième place sur une manche de la Route de l'Ouest il y a quelques semaines de cela.
Donc elle est en forme aujourd'hui. On va essayer d'être vigilant aussi hein, sur les petits problèmes mécaniques. Mais là, on voit bien hein, cette espèce de V qui se forme dans le peloton. On reste au milieu de la route où on essaye de se battre pour amener le peloton. Et derrière, on tente de remonter, mais c'est pas forcément facile. Ouais, on est sur une grande route là. C'est pas avantageux pour Sarah Pop, vraiment. Ça l'avantage pas du tout. On a vu dans les dernières positions également Enora Auger, hein, l'ancienne championne de Bretagne, pour la formation de la Nester Women Morbihan. Voilà pour les quelques concurrentes que l'on aperçoit ici à l'image de Flavie Arnoux, la jeune concurrente de 20 ans qui connaît bien l'épreuve des boucles guégonnaises. Elle avait couru elle aussi le samedi après-midi l'an dernier aux boucles guégonnaises, mais c'était parce que le samedi c'était la Coupe de France N2 qui était organisée et elle avait pris une troisième place. On rappelle que cette année il y a eu une petite inversion. Les concurrentes de National 2 courront le dimanche matin, donc demain matin, on se retrouvera à partir de 9h50 pour vous faire vivre la Coupe de France réservée au N2 avant de vivre les boucles guégonnaises réservées aux hommes. L'occasion de saluer évidemment à toute l'équipe aussi du Grand Prix Gilbert Bousquet qui se déroule aujourd'hui et que vous pouvez suivre aussi en direct. L'occasion de saluer évidemment les différents organisateurs bretons parce qu'il y a toujours eu une entente entre le Grand Prix Gilbert Bousquet et les boucles guégonnaises. C'est quelque chose d'historique maintenant depuis de nombreuses années, cette fameuse côte qui revient à nouveau et des accélérations avec le Centre-Val de Loire qui accélère forcément aussi avec l'envie de faire de belles choses aujourd'hui. La Braise Ladies qui remonte. Et on voit qu'on est en train de se replacer aussi hein, pour la formation vendéenne. C'est terminé pour Sarah Pop. On aperçoit ouais, cette formation Braise Ladies qui est très attentive, hein, avec je crois deux ou trois filles là, dans les 10 premières positions. On a encore de nombreuses filles aussi en ce qui concerne la formation vendéenne. La Dynamis Clarisse Automobile pour la Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme, pour la nouvelle appellation de ses concurrentes portant le maillot vert de la formation, le maillot vert et noir de la formation vendéenne. Elle se relève vraiment pas, hein, elle persiste. On aperçoit les filles de Chambéry aussi qui sont dans les premières positions. Emma Comte. On sent que les places sont chères en tête de peloton là. Hein. C'est compliqué de garder le positionnement. On avait l'impression qu'un trio s'installait au commandement, mais non, alors qu'on aperçoit à l'arrière. Ouais, c'est compliqué. Compliqué hein. Ouais. Et en plus, on est dans le vent à ce moment-là quand on est. Ça va être compliqué. Avec la présence ici de Marine Mauger hein, pour le Team L Groupama Pays de la Loire. Il y a un petit groupe qui s'est créé là. Alors est-ce qu'on va s'entendre derrière, du coup c'est la Braise Ladies qui roule parce qu'elles ne sont pas représentées à l'avant. Et si c'est bon, c'est rentré. Ça peut être un groupe intéressant. Hein. 5 concurrentes pour l'instant au commandement. Chambéry, Braise Ladies. On rappelle hein, ce circuit de 9 km 800 avec, vous l'avez constaté, des portions finalement très très larges avec des routes où eh bien, une majorité du peloton peut être sur 3 lignes et on se retrouve aussi avec des routes très très sinueuses où on ne tient pas à plus de 5 sur la même ligne. Des vraies routes bretonnes, ouais, c'est vraiment le cas là et ça rattaque. Ça ressort dans les deux sens hein, aussi. Et le peloton là qui est cassé en plusieurs parties. Hein. C'est un moment important de la course parce que les favorites sont en train de sortir. C'est quoi le bon comportement là, Lucie? C'est de rester dans le deuxième groupe, le peloton principal encore est dans les premières positions ou essayer de sortir maintenant peut être intéressant? Mais c'est coup double, hein. C'est soit ça sort maintenant et ça prend du champ et derrière ça se relève. Après, ouais. C'est tôt quand même. Après, si les équipes sont toutes représentées à l'avant, faut mieux être à l'avant. Mais ça peut vite mais là, partir, pas, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais là, on voit pas la Nester, donc la Nester peut s'organiser derrière. Là, ça s'est regroupé un peu. Ouais, il y a eu un peu plus de monde. Là, ils sont une petite dizaine a priori au commandement. Mais ouais, on voit Emma Comte de Chambéry. Il y a quand même pas mal d'équipes. Voilà, la Braise Ladies. Ça peut être plus rassurant quand même d'être devant. En tout cas, on aperçoit Chambéry avec deux concurrentes. La Roche-sur-Yon avec deux concurrentes également. Et derrière, c'est un peloton, mais... Ils sont plus 80 dans le peloton, hein. Ça c'est clair. Jouer, hein.
Après, le circuit est usant, quoi. C'est montée, descente, il n'y a pas vraiment de place, c'est un vrai circuit breton. L'enchaînement des changements de route, route large, route, vraie route bretonne, petite route. Il faut sans cesse se replacer, c'est usant ça aussi, ça. C'est usant mentalement et physiquement, donc ouais, c'est une belle course et c'est dur. Elles vont passer sur la ligne, dans moins de 500 mètres maintenant. Elles viennent de passer sous la flamme rouge, vous l'avez Elles vu. sont à l'attaque. Ça n'arrête pas, hein. Ici à l'entrée de Guégon. On a la volonté évidemment d'aller chercher le meilleur, d'aller créer ce groupe. On sent la volonté aussi de certaines formations, hein, de vouloir sortir. On va voir si on parvient à faire quelque chose, mais toujours pas, hein, pour l'instant. Hein. C'est fou, hein. Ça veut pas, hein. Mis à part Sarah Pop tout à l'heure qui a réussi à tenir, on va dire, une petite dizaine de kilomètres, même pas à peine 5 kilomètres en tête en solitaire. Personne ne parvient à prendre quelques longueurs d'avance. Aucun groupe, aucune individualité. C'est un peloton compact. Ça se fait beaucoup par l'arrière, hein. Ouais, mais elle va faire du bien peut-être cette période de temporisation aussi pour les concurrentes qui n'étaient pas si loin, qui étaient peut-être à la limite de la cassure, à la limite de la rupture, parce que c'est parti très très vite. Et on voit un gros groupe au fond derrière qui a envie de rentrer, je pense, et qui se dit si le peloton pouvait se relever comme ça un bon bout de temps, ce serait pas mal pour nous, on pourrait rentrer. C'est peut-être le bon moment là pour celles qui en ont encore sous la C'est ça, pédale, qui ouais, ont peut-être un moyen d'en remettre une, mais il faut pouvoir parce que ça a été quand même très poignant, hein, le tour qu'on vient de vivre. Hein. ouais, c'est le moment où tout le monde se pose, où personne ne peut en remettre une, c'est le moment où il faut, mais ouais, tout le monde a envie de se poser là. Elles sont Ça a toutes là en été. train de prendre le bidon, on aperçoit, hein, c'est marqué avec les représentantes de la Nestlé qui sont là, la Braise Ladies, la formation vendéenne, et il y a pas mal de concurrentes qui... nous rejoignent désormais avec la prime qui sera organisée au prochain tour. Hein. C'est pour ça que vous entendiez peut-être derrière nous la cloche au moment où ça passe ici sur la ligne. Avec toujours hein, les mêmes formations que l'on aperçoit au commandement. Ça discute un peu dans le peloton. On va regarder si dans les groupes d'attardés on Et aperçoit Sophie des d'Almeida concurrentes. est distancée, ouais, dans les voitures. Pour la formation lyonnaise, on aperçoit également Léa Guglielmi. Ça a vraiment été un début de course dur, hein. Ouais, un début de course marqué, en tout cas. Alors, on pouvait s'y attendre hein, avec de nombreuses attaques, un peloton qui ne lâche rien, parce que, mine de rien, on ne sait pas ce qui s'est dit parmi les directeurs sportifs aujourd'hui, parmi les équipes de direction sportive qui sont présentes aujourd'hui sur cette première manche de la Coupe de France N1 ici à Guégon. Mais le briefing devait se ressembler. C'est-à-dire qu'il faut être vigilant, il faut être placé Ça, placé, devant et ouais. il faut essayer de se mettre dans les échappées. Je pense que voilà, les briefings devaient être à peu près similaires ce matin ou ce midi avant le départ. Oui, forcément, ouais, c'était le placement et il faut être attentif, quoi. On va profiter, Lucie, de ce petit moment d'accalmie avec la formation de Chambéry qui, pour l'instant, est en train de mener les débats pour faire une petite pause, l'occasion de remercier les partenaires de cette nouvelle édition des Boucles Guégonnaises et on se retrouve dans une poignée de secondes. À tout de suite.
retour sur cette première manche de la Coupe de France réservée aux dames. La N1 à l'honneur aujourd'hui ici sur les routes morbihanaises, sur les routes de Guégon. Nous sommes très heureux de vous proposer ce direct avec toute l'équipe de 3SCV. Lucie Jounier qui m'accompagne pour vivre cette course mouvementée depuis le début. Lucie, de nombreuses attaques, de nombreuses accélérations, mais personne ne parvient à sortir. Par contre, on aperçoit des formations qui sont au commandement depuis le début. C'était le cas de la formation la Dynamips Clarisse Automobile pour la formation venant de La Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme, hein, qui a été représentée dans un premier temps avec Sarah Pop, avec Chloé Schoenberger qui est également de la partie. On aperçoit la formation du VC Morteau-Mont-Benoît avec la concurrente venue de Suisse, Meret Zimmermann. On aperçoit également Emeline Courteau. Voilà pour les quelques formations. Et puis l'équipe professionnelle Winspace aussi avec Florène Bernard, elle qui fête son anniversaire aujourd'hui. Il y a d'ailleurs des concurrentes qui ont eu l'occasion de courir avec elle par le passé qui lui ont souhaité joyeux anniversaire juste au pied du podium. Elle fête ses 21 ans aujourd'hui, donc Florène Bernard, pour la concurrente qui a eu l'occasion de terminer 6e ici même l'an passé pour cette Coupe de France réservée au N1. Pour l'instant, situation toujours identique. Peloton groupé avec ses formations. Scénario attendu, je le disais Lucie, maintenant qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que on va percevoir quand même une sortie? Est-ce que certaines vont commencer à craquer ou pas forcément? Là je pense que ça se pose un peu, ouais, ça va se poser. Et après dans les bosses, on voit que voilà, c'est en file indienne, le vent fait mal et quand on est mal placé, ça peut être fatal vraiment. Donc ouais, ça se fait beaucoup par l'arrière depuis le début de course. Et je pense que ça va continuer comme ça pas mal de tours. Après, voilà, il peut y avoir un groupe qui se décroche. Mais pour l'instant, ce début de course, ouais, c'était beaucoup par l'arrière, beaucoup d'attaques. Mais c'est compliqué de sortir de ce peloton. On aperçoit la formation lanestérienne, hein, revenir aussi au commandement. Lanester Women Morbihan qui a, entre guillemets, failli louper le coup. Hein. On avait une petite dizaine de filles qui a réussi à sortir. Ce petit groupe qui a eu l'occasion d'ouvrir la route, on va dire quoi, pendant une petite minute, voilà, avant que le peloton ne revienne. Mais voilà, il y avait une petite frayeur quand même. Les concurrentes de La Roche-sur-Yon sont là. Voilà les formations pour l'instant qui composent, hein, la première partie du peloton. Trois concurrentes, hein, quand même, hein, pour la formation vendéenne. Ouais, ça peut être une petite alerte pour Lanester. Voilà, on a loupé ce coup-là, mais faut se dire que le prochain, faudra pas le louper. Voilà, là, ils ont eu de la chance, c'est rentré, c'est revenu. Mais voilà, la prochaine fois, faut vraiment pas se louper. Parce que ça peut être fatal. Après, on peut se retrouver à devoir mettre toute l'équipe à rouler derrière et à se fatiguer. Donc ouais, c'est vraiment pas l'idéal. On en profite, hein, de ce petit moment d'accalmie aussi pour se projeter sur les prochaines échéances en ce qui concerne ce calendrier de la Coupe de France N1 avec, je le disais, 5 épreuves. La première, ce sont ces boucles guégonnaises. La deuxième, ce sera le 28 avril avec le chrono 47, hein, en Nouvelle-Aquitaine. Il y aura au mois de juin la classique féminine, Vienne, Nouvelle-Aquitaine. La fameuse classique du Val de Morteau aussi en Bourgogne-Franche-Comté le 30 juin avant de terminer le 31 août et 1er septembre par la Pointe du Raz Ladies Classic. Voilà un programme moins de manches que l'an dernier, mais ça reste quand même très très ouvert, alors que c'est vrai qu'on aperçoit les différentes accélérations, les différentes concurrentes que l'on voit depuis plusieurs minutes. Et on voit Florène Bernard qui a pas mal accéléré tout à l'heure et qui est un peu au milieu de peloton maintenant. On va en profiter pour avoir la représentante du team L, Groupama, Pays de la Loire, Justine Jégu. Justine, Lucie, que tu as rencontré tout à l'heure avant le départ. L'occasion aussi de savoir les ambitions du team L, Groupama, Pays de la Loire sur cette première manche de la Coupe de France. On va l'écouter, Justine Jégu. Justine, on connaît ta pointe de vitesse au sprint massif ou en petit groupe. Ça peut arriver en petit groupe aujourd'hui, c'est un circuit pour puncher peut-être. Comment tu le sens et voilà, quels sont tes plans aujourd'hui? On le sent bien, on a une équipe qui va faire la course et on est vraiment déterminé à faire un bon résultat collectif. Après, on verra comment ça va se dégoupiller. On a plusieurs idées en tête et on verra selon la course et selon les conditions climatiques aussi. Merci beaucoup. T'as brillé sur la
la première étape des plages vendéennes. Alors, ensuite, tu t'es envolé. Quelques instants aussi avec la concurrente lanestérienne hein, qui était de la partie. Bon, qu'est-ce qu'on retient là de ce que nous dit Justine Jégu? Mais elle a vraiment parlé de son collectif, du fort collectif. On connaît sa pointe de vitesse à Justine dans un petit groupe et même dans un sprint massif, elle peut se démarquer des autres concurrentes. Donc voilà, faut faire attention. Et ouais, elles ont un bon collectif, elles sont fortes. On l'a vu sur les plages, elles étaient bien représentées à l'avant. Donc voilà, c'est un beau collectif. Justine, elle a envie de gagner une Coupe de France, elle a envie de se démarquer, ça fait un moment qu'elle est en amateur maintenant et qu'elle a envie de passer à l'échelon supérieur, donc voilà, je pense que cette saison, elle a vraiment envie de bien faire. On se retrouve aussi maintenant avec toutes ces formations hein, représentées à l'avant de ce peloton. On sent que ça frotte aussi hein, pour revenir sur les premières positions. On a vu les petits groupes tout à l'heure distancés qui a réussi à revenir. Il y a eu voilà, un moment d'accalmie dans ce peloton qui a l'air d'avoir fait du bien à tout le monde. Ouais, c'est le moment où on a pu boire, manger, c'était vraiment le moment attendu par l'ensemble du peloton. Et Lanester qui est vraiment bien représentée, qui protège Clémence Chéreau, je pense. Qu'on a aperçu hein, Clémence Chéreau il y a quelques secondes. Vous l'avez aussi rencontré avec toutes les équipes de 3SCV. On va essayer de l'écouter dans la foulée, la spécialiste de la piste du Lanester Women Morbihan, une double championne du monde dans le rang des juniors qui débarque à Lanester. On va pouvoir en profiter pour écouter Clémence Chéreau. Sur Hong Kong pour une Coupe des Nations, on a tous envie de savoir comment s'est passé le décalage horaire et comment tu te sens aujourd'hui pour cette première Coupe de France. Oui, c'est ça, j'ai repris la saison sur route du coup sur les plages vendéennes et ensuite j'ai enchaîné avec un bloc sur la piste, notamment des courses au Portugal à l'international et ensuite un stage équipe de France puis la Coupe des Nations à Hong Kong, donc ça fait un... Vraiment beaucoup d'expérience au plus haut niveau mondial, donc c'était important pour moi, pour ma double activité. C'est vrai que le décalage horaire, il y avait quand même 7 heures du coup vers l'Est, donc c'est quand même important. J'ai eu 14 heures d'avion au retour aussi, donc c'est assez fatigant. Je suis revenue mardi matin en France, donc là je prends un peu la course comme un challenge et j'ai essayé d'optimiser au mieux ma récup au retour, donc on verra si aujourd'hui ça ira. Je suppose que tu as envie de nous refaire le même schéma qu'aux plages. T'as envie de remporter cette première manche. Est-ce que vous avez plusieurs plans à Lanester, plusieurs profils qui peuvent correspondre à ce parcours? Qu'est-ce que c'est l'objectif aujourd'hui et le briefing? Oui, c'est ça. C'est la première manche de Coupe de France. Donc, c'est un rendez-vous important aujourd'hui pour l'équipe. On a une équipe très homogène et solide au départ. Donc, on a envisagé différents scénarios. Et l'ensemble de l'équipe peut espérer de belles choses et on l'espère une victoire au final, donc on mettra tout en œuvre pour réussir. Merci. Toujours le sourire finalement, Clémence Chéreau, ça c'est quelque chose qui elle la caractérise et pourtant elle revient d'Hong Kong, quel parcours pour elle, parce que c'est vrai que là elle a enchaîné pas mal avec des sessions pistes, forcément surveillées par l'équipe de France, on le disait, les titres de championne du monde de poursuite par équipe, là elle était à Hong Kong, elle est rentrée mardi. Ouais, elle nous l'a dit, ouais, bah, c'est important pour sa double activité de jongler hein, entre compétition internationale sur piste, parce que voilà, elle a besoin de prendre de l'expérience. Mais voilà, elle a enchaîné stages, compétitions, Portugal, tout ça. Et ensuite, à l'étranger, à Hong Kong, elle est rentrée mardi. Ouais, le décalage horaire, c'est pas toujours simple, surtout de ce côté-là. Donc, elle nous a dit que c'était un peu un challenge pour elle d'être là aujourd'hui. Ça passe ou ça casse et Qu'est-ce qui est le plus compliqué dans le décalage horaire? C'est quoi? C'est peut-être de se réhabituer à avoir un rythme alimentaire normal, parce qu'on sait que l'alimentation est primordiale à ce niveau, ou tout simplement le sommeil qui est aussi facteur plus qu'important? Bah, déjà, il y a le voyage qui est hyper fatigant. Là, en l'occurrence, elle nous a dit qu'elle avait fait 14 heures de voyage pour rentrer. Et voilà, même si elle a l'habitude de prendre l'avion, tout ça, ça reste quand même stressant pour le corps, tout simplement, de prendre l'avion, de faire un long trajet comme ça. Donc, ça rajoute de la fatigue supplémentaire. Et ensuite, le décalage horaire, ben, on est complètement décalé et on dort mal. Donc, le sommeil, c'est hyper important aussi pour la récupération. Et si on n'arrive pas
à se recaler rapidement, ça peut être compliqué, ouais. On va effectivement surveiller cela. Comme elle l'a dit, ça passe ou ça casse maintenant. Hein. On va pouvoir le constater. Alors que là, ça relance à nouveau dans ce peloton. On tente à nouveau sa chance. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va casser aussi pour les différents clubs, les différentes équipes? On a eu l'occasion aussi de discuter comme ça rapidement avec le Chambéry Cyclisme Compétition Féminin. Ils ont la pression avec la victoire de Julie Bégaud l'an passé, qui a gagné sur cette épreuve, qui a gagné ici. Forcément, certes, Julie n'est plus dans l'équipe, on l'a dit, elle est passée professionnelle après le titre de championne du monde, mais il y a une volonté aussi de pouvoir briller, conserver le titre à la maison. Bah, forcément, ouais, elles ont envie de remporter cette course. Voilà, ça ferait le doublé à Guégon, c'est quand même beau. Et double pression, parce qu'elles ont gagné le classement individuel avec Julia Aubry et le classement par équipe l'année dernière, donc classement général final de la Coupe de France. Donc voilà, elles ont quand même mis la barre haute l'année dernière et aujourd'hui, ouais, je pense qu'elles veulent faire la même chose et elles ont envie de briller sur cette course. C'est vrai que c'est peut-être un petit peu moins le cas avec les N1 masculines, parce que déjà il y a plus d'équipes, il y a peut-être aussi, on va dire, autant d'élus quand même qui passent professionnels. Mais là, il y a vraiment cet aspect d'un an sur l'autre, les équipes féminines peuvent presque changer à 50% d'effectifs. C'est ça, ouais, c'est ça. Et ça peut être compliqué aussi de... Mais par exemple, la Braise Ladies, elles ont perdu trois leaders, ouais, trois filles importantes dans l'équipe. Et du coup, ben, forcément, on recrute des filles. Et faut se réhabituer, faut reprendre des automatismes, pardon, avec ses filles. Et c'est pas toujours simple d'arriver sur, en l'occurrence là, la première manche de Coupe de France et d'avoir des automatismes avec ses coéquipières tout de suite comme ça. Donc ouais, ça fait beaucoup de changements tous les ans et ça peut être dur sur certaines années. C'est vrai qu'on évoque le fait de la Braise Ladies, là c'est vraiment une équipe qui est menée par le comité de Bretagne de cyclisme, qui a pour objectif justement d'accompagner les plus jeunes qui ne peuvent pas forcément rejoindre des structures ou qui sont esselés dans leur club, et l'idée c'est de les accompagner comme ça vers le plus haut niveau. Donc c'est aussi quelque chose de logique finalement de perdre entre guillemets les leaders, ouais. Mais forcément, comme tu le disais Lucie, bah, il faut se réorganiser et il faut tout simplement changer les choses. Alors que nous allons passer à 5 tours dans un petit instant pour la de course, ce peloton, en tout cas ce qu'il en reste, hein, parce qu'on constate bien qu'elles ne sont plus 80 ici au sein de ce peloton, et toujours cette formation vendéenne, et toujours cette Sarah Pop, elle est en forme, hein, elle n'arrête pas. Ouais, elle est incroyable. Elle a déjà fait un numéro de soliste tout à l'heure, elle a déjà fait un gros numéro avec une petite dizaine de kilomètres en solo, et elle continue à mener les débats. Ouais, je pense que ça a été les consignes, puisque si elle est leader et qu'elle attaque dès le début de course comme ça, c'est un peu se brûler les ailes. Mais voilà, si c'est les consignes et que derrière elle a sa leader qui est bien au chaud dans les roues, ça peut être une bonne option de fatiguer tout le peloton et derrière d'amener la leader nommée sur la plus haute marche du podium. Après, c'est vrai que c'est une formation de toute façon qui a plusieurs cartes. On l'a évoqué déjà depuis le début de cette retransmission, depuis le début de ce direct. Et donc, on les voit depuis tout à l'heure. Je pense qu'on essaye de se placer aussi. Je crois que ça a été rare les moments où elles ne sont pas trois dans les 20 premières positions. Exactement, du peloton. Ouais. Hein. Mais par contre, personne ne veut l'accompagner, Sarah Pop, la pauvre. Comment on peut expliquer ça, le fait qu'à chaque accélération de Sarah Pop, aucune concurrente, quelle que soit la formation, hein, ne parvienne ou ne veuille aller accompagner la concurrente de la formation vendéenne? Sur sa première attaque, il y avait déjà un petit groupe qui avait quelques mètres d'avance sur le peloton, et c'est vrai qu'elle a fait quand même une belle attaque sur sa première attaque. Et personne n'a pu suivre tout simplement derrière. Et je pense que les filles n'ont pas non plus envie de faire l'effort. Elles se disent, on est en début de course, je ne vais pas faire l'effort emmener toutes les filles dans ma roue maintenant, à ce moment-là. C'est pas le moment pour moi de me découvrir maintenant. Mais du coup, elle part toute seule et c'est pas forcément l'idéal. C'est vrai que c'est compliqué. Hein. En tout cas, elle va là encore ouvrir la route de cette première manche de la Coupe de France sur les routes des boucles guégonnaises pendant quelques minutes en solo avec toujours ce vent très très présent. Hein. Ça c'est un facteur à rappeler régulièrement, Lucie, parce que là, ce vent il ne fait que s'intensifier. Il y a des rafales par moments très très puissantes, donc il va falloir prendre ça aussi
en cause, évidemment, en conséquence, pendant toute la fin de cette épreuve. On est passé à la mi-course, 5 tours, il reste un peu moins de 50 km à parcourir maintenant pour l'ensemble du peloton féminin. Ouais, faut vraiment réussir à se mettre à l'abri, et quand c'est en file indienne comme ça, bah forcément, c'est pas facile pour les dernières concurrentes du peloton. Et le vent joue un rôle important aujourd'hui, ouais, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'il en est maintenant dans le peloton? Est-ce que ça réagit? L'écart qui a l'air d'augmenter un peu en faveur de Sarah Pope pour l'instant. Hein. On avait vu deux scénarios aussi. Hein. On avait vu la formation de Chambéry Cyclisme Compétition Féminin qui avait envie aussi de sortir, avec notamment Clémence Latimier tout à l'heure qui était intercalée derrière Sarah Pope. Et puis on avait vu ensuite un peloton qui se jaugeait, un peloton qui essayait de sortir. Par moments, on faisait totalement rideau, on occupait toute la largeur de la route. Par moments, il y avait des petits blocs. Là, quel va être le comportement du peloton? C'est la question que l'on se pose. En tout cas, c'est vrai que pour l'instant, depuis le début de cette course, depuis la première moitié de cette nouvelle édition des Boucles Guéguenaises, l'attaquante, celle qui a été vraiment la plus combative de ce début d'épreuve, c'est Sarah Pope. Elle s'arrête pas. Et même quand le peloton revient pas loin d'elle, elle se relève pas, quoi. Elle en remet toujours et elle abandonne pas comme ça. Passage dans la petite descente avant de retrouver une route un peu plus large. C'est le moment plus facile pour pouvoir se replacer facilement. Bon, sauf si le peloton reste en file indienne comme ça. On constate déjà dans le comportement de Sarah Pope que ce n'est pas du tout la même façon d'être que lors de la première accélération qu'elle avait pu faire tout à l'heure assez tôt dans la course. Celle qui a brillé, je le disais déjà, sur la route de l'Ouest en début de saison, qui était également sur le podium d'Albi sur ses premières semaines de compétition. Elle n'est plus du tout dans l'optique de se retourner régulièrement. On se rappelle, là, c'était sur cette même portion. Elle jetait régulièrement un petit coup d'œil au-dessus de l'épaule droite. Là, elle ne le fait pas du tout. Est-ce qu'elle est partie, là, relativement dans un numéro de soliste? Est-ce qu'elle ne se pose plus de questions et elle y va, là? Peut-être, ouais. Et peut-être qu'elle a eu des consignes aussi sur le bord du circuit. On ne sait pas. Peut-être que il y a des assistants au bord du circuit, notamment sur la zone de ravitaillement. Donc peut-être qu'ils lui ont dit que voilà, elle était en forme et que c'était maintenant qu'il fallait y aller, pas se retourner, et que si quelqu'un devait la rejoindre, si un groupe devait la rejoindre, ça se ferait ensuite. Mais là, vraiment, elle est partie à fond. Parce que là, on est quand même sur un effort qui l'attend d'une cinquantaine de kilomètres. C'est quelque chose d'énorme. Ouais, c'est pas rien quand même. C'est sûr que c'est pas rien, et c'est pas son premier effort, quoi. C'est surtout ça. Donc, elle a pas pris le départ, elle est pas restée dans les roues, et là, elle nous fait une attaque. Elle a déjà gaspillé quelques forces. Donc, c'est courageux de sa part, et ça serait bien que quelques filles la rejoignent ensuite pour pouvoir créer un bon petit groupe. On sait que c'est pas n'importe quelle épreuve. On sait que c'est pas juste une manche comme ça, par exemple, qu'il peut y avoir de courses tous les dimanches. Là, on est vraiment sur une manche de la Coupe de France. Est-ce que derrière, il peut aussi y avoir un moment, une phase d'observation entre les principales équipes favorites, et avoir un numéro exceptionnel de Sarah Pope qui va s'imposer en solitaire après plus de 50 km d'échappée? Est-ce que ça, c'est un scénario possible? On peut s'enterrer à l'arrière ou pas vraiment, parce qu'à un moment, il y aura forcément de l'entente et on revient forcément sur la concurrente de la formation vendéenne. Bah, ça c'est le risque, ça peut arriver. Après, là on a quand même encore quelques coéquipières qui peuvent rouler pour les leaders, donc si les filles s'organisent bien, elles peuvent rouler, mais à un tour, deux tours de l'arrivée, si elle est toujours devant et il reste que les leaders, elles peuvent pas forcément toujours s'entendre. Et par exemple, Clément Chéreau qui a remporté la première étape des planches vendéennes, pardon, Les autres concurrentes vont lui dire « Écoute, tu nous as quand même toutes battues aux plages vendéennes, c'est à toi de faire une part du travail. » Et ça peut se regarder un moment et laisser une bonne opportunité à Sarah Pope de s'envoler vers la victoire. On sait que ça se... C'est en train de changer, on est en train de se professionnaliser de plus en plus, on sait de mieux en mieux rouler en équipe aussi dans le cyclisme féminin, qui n'était pas forcément chose facile il y a encore quelques années. Est-ce que là, une équipe solo peut être capable de revenir sur la concurrente de tête, ou il va falloir forcément une entente entre plusieurs teams?
Sur une concurrente de tête, il peut y avoir une équipe solo qui roule, qui s'organise bien, qui laisse une leader au chaud et toutes les autres coéquipières qui roulent. Après, il faut que l'équipe se nomme et enfin il faut qu'il y ait une équipe qui ait envie de faire ça. Et peut-être qu'elles n'ont pas envie de se découvrir tout de suite. Donc à voir. Parce que là, c'est la première manche. Il n'y a pas vraiment. Certes, on sait, la Coupe de France l'an passé a été remportée avec la formation Chambéry Cyclisme Compétition Féminin. Mais il n'y a pas vraiment d'équipe où on dit tiens, bah, c'est vous les patrons, maintenant vous bossez. Quoi. C'est à vous de bosser. Ouais. Il peut y avoir, effectivement, on le disait, l'Anester, parce qu'on a vu la victoire de Clément Chéreau. Mais on peut se dire pareil pour Chambéry qui a remporté l'an dernier. Il n'y a pas vraiment, là, sur le papier, de formation attitrée pour rouler. Ouais, et puis les filles n'ont pas eu de... Enfin, elles ont eu quelques courses où il y avait d'autres filles de DN, mais elles n'ont pas eu de grosses courses, de gros rendez-vous où elles ont vraiment pu jauger le niveau des autres, de leur adversaire. Donc forcément, elles ne sont pas en totale confiance à cette période de l'année sur leur forme. Enfin, elles ont besoin de se rassurer. Et donc, elles vont peut-être pas vouloir rouler tout de suite en se disant je ne sais pas si je suis au top de ma forme, je ne sais pas si je pourrais suivre... jusqu'à la fin, donc j'ai envie de garder un peu d'énergie, donc c'est le risque aussi de... En fait, c'est vraiment l'inconnu, les premières manches de Coupe de France, comme ça, c'est un rendez-vous important, on sait pas où se placer, on sait pas comment jauger les adversaires, donc ouais, il y a beaucoup d'enjeux. On évoque désormais 25 secondes entre la concurrente de tête et les premiers éléments du peloton, l'écart qui va peut-être même passer au-dessus des 30 secondes, parce que là, elle ne fait qu'augmenter son avance finalement depuis plusieurs minutes, et pourtant, on le répète, elle n'est pas à cet endroit du circuit sur des portions qui la favorisent. Non, pas du tout, et comme tu l'as dit tout à l'heure, elle ne se retourne vraiment plus, quoi. Elle est à fond dans son effort et... C'est un changement de comportement total par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure. Parce que c'est vrai qu'on le disait, hein, sur les premières minutes de son attaque précédente et même sur la fin, il y avait toujours ce regard tourné vers au-dessus de l'épaule droite. Et là, on est vraiment concentré, on baisse la tête de temps en temps. Elle doit regarder évidemment un peu derrière, mais c'est vrai que ce n'est plus... aussi présent que ça l'était tout à l'heure, alors que derrière, bah, dans le peloton, on voit, on sent qu'un coup on est en file indienne, un coup on occupe plus toute la largeur de la route, mais pas vraiment pour l'instant de formation qui prend les commandes de ce peloton. Et puis l'avantage, c'est aussi que du côté de la formation la Dynamips Clarisse Automobile, en ce qui concerne cette formation de La Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme, on a aussi pas mal de filles qui peuvent contrôler aussi à l'avant du peloton, casser des relais, casser le rythme pour permettre à la concurrente de tête de prendre quelques minutes d'avance et aussi protéger d'autres leaders de cette équipe qui n'auront évidemment pas à rouler dans les prochains instants. Exactement, ça peut être un vrai point fort. Voilà, si ça ressort, faut vraiment qu'elle soit représentée. Par contre, si ça ressort, et voilà, s'il y a une concurrente dans le groupe derrière qui ressort, elle n'aura pas besoin de rouler et ça peut être un fort avantage pour l'arrivée et la fin de course. Toujours 30 secondes, hein. Le dernier écart communiqué à l'instant. On aperçoit effectivement désormais les motos. La caméra qui écrase un peu, hein, parce qu'on est vraiment dans des lignes droites où on a beaucoup de visuels et ce peloton toujours toute la largeur de la route. Alors on essaye d'observer un peu les différentes formations représentées. Et là, avec le lancement de cette côte du camping, nommée ainsi il y a quelques années par Jean Gilet, le speaker officiel de cette épreuve, speaker historique des boucles guégonnaises. Et là, ça fait mal, hein. C'est compliqué, c'est dur. Et c'est à ce moment-là que dans le peloton, derrière, ça peut ressortir et créer un bon petit groupe avec pas mal d'équipes importantes représentées à l'avant. Parce qu'on l'a eu toujours en visuel, hein. C'est vrai que là, la pente peut faciliter la chose, mais c'est vrai que souvent, c'est le moment où on aperçoit la concurrente de tête face à nous, on se dit, tiens, on va peut-être en mettre une. Mais là, elles l'ont quand même en visuel depuis quelques minutes. Et là, le peloton est groupé, hein, alors que... On a l'impression, ouais, que depuis que Sarah Pop est ressortie, il y a même des concurrentes de derrière qui ont réussi à rentrer. Ouais, et le peloton n'est plus en file indienne, il prend bien toute la largeur de la route. Elle fait vraiment un beau numéro, hein. Deux attaques. Et on sent que derrière, voilà, là c'est la côte du camping, on a laissé des traces ici avec Alice Brédard. La concurrente de la formation de la Braise Ladies qui a été formée à Redon, qui a eu l'occasion de briller sur les championnats de France U19. Elle qui a terminé aussi 5e, hein, de la Pointe du Raz Ladies classique l'an passé.
Ouais, Alice, c'est bizarre. Elle avait fait, elle était dans l'échappée aux plages vendéennes. On peut avoir un petit coup de moins bien aussi, ouais. Hein. On le sait, il y a eu quelques virus en ce moment avec ce chaud froid, et puis on a perdu quand même pas mal de degrés hein, cette nuit. Hein. En Bretagne, il y a eu comme dans quelques endroits en France aussi, il y a eu un petit coup de froid. Et le vent est très très présent aussi aujourd'hui, donc ça peut avoir son importance. On peut être aussi un peu moins bien. Ouais. Après, faut pas tout lâcher mentalement. Voilà, ça peut revenir, elle peut re-rentrer. Oui, puis elle se dit peut-être aussi, quitte à forcer là à faire l'effort vraiment pour coller, ouais, elle se dit peut-être, voilà, je monte à mon rythme, ça va revenir aussi peut-être après. Et après, en fin de course, elle peut complètement retrouver des jambes et. On peut là sur une course comme ça de 200 km être pas forcément si bien que ça au début de course jusqu'à la première moitié et retrouver des jambes en deuxième moitié. Il y a certaines filles ont du mal à démarrer en début de course. Après ça dépend des filles. Mais oui, c'est sûr que si là on lâche maintenant, ça s'annonce quand même compliqué pour la fin de course. Après, elle a peut-être eu un ennui mécanique, on sait pas ou. Et l'avantage, c'est que les voitures sont revenues derrière, hein. Derrière le peloton principal, parce qu'il y avait eu plusieurs groupes tout à l'heure, ce qui ne permettait pas aux directions sportives d'être juste derrière le peloton. Mais là, c'est bien le cas depuis plusieurs minutes. Allez, on encourage du côté du staff de la formation vendéenne. Les derniers petits consignes, les dernières petites informations à passer là dans la dernière pente. Ben, on est en train de rentrer, hein. Je pense qu'on allait faire un tour. Hop là, il y a eu un petit ralentissement là. Trop de vitesse. Mais elle a bien creusé là, Sarah Pope, elle est vraiment impressionnante. On a hâte de refaire un point sur la ligne, hein, parce qu'on évoquait tout à l'heure 30 secondes, on n'a plus d'écart pour l'instant en ce qui concerne la concurrente de tête et le peloton. On sent qu'il est temps pour certaines que l'on rebascule au sommet de la côte. Hein. Puis c'est ça qui est dur aussi sur les courses en circuit, c'est que finalement, contrairement aux courses en ligne, où parfois, on voit sur le parcours qu'il y a des côtes, qu'il y a un certain nombre de côtes... à gravir, là, mine de rien, on sait quelle côte on a tous les tours et on se dit « Ah, bah, le tour prochain, on la retrouve, quoi !» Ouais, c'est ça. C'est ça qui est difficile aussi. Une course en ligne, voilà, on monte une bosse une fois et souvent, on la revoit pas, quoi. Donc, elle est dure une fois et voilà. Là, le circuit est quand même en plus usant. C'est un circuit breton, ça monte, ça descend tout le temps. Donc, 10 tours, c'est pas mal. Les filles vont être bien fatiguées à l'arrivée. Et le circuit peut faire des dégâts. Est-ce qu'on aperçoit le peloton? Toujours pas. Toujours pas, non. Là, l'écart qui, à mon avis, a passé les 45 secondes. On a hâte de sortir les chronos sur la ligne, mais on va les laisser passer la ligne, les concurrentes, avant de refaire une petite pause et de saluer les partenaires à nouveau. Mais j'ai bien l'impression que pour l'instant, on se retrouve avec... avec effectivement un écart qui s'approche progressivement de la minute. C'était le bon comportement, hein. Elle l'a senti peut-être, Sarah Pope, que de toute façon ça n'allait pas bouger. Fallait oser, hein, ressortir derrière comme ça, après son attaque en solitaire déjà. Ça lui a pas fait peur de se retrouver une nouvelle fois à l'avant. Elle va récupérer des encouragements, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de monde. Alors tout à l'heure, on avait aussi des enfants, hein, qui ont eu l'occasion de courir sur les épreuves d'école de cyclisme. Là, les gens sont partis un peu partout sur le circuit, hein, faisant une dizaine de kilomètres. On a le temps de se balader, mais il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde pour le départ. C'était très agréable sous le soleil d'Auguégon ce matin. Ah, les concurrentes qui mettent un peu plus d'une quinzaine de minutes, hein, à réaliser le tour. On se pose pas de questions, hein, pour Sarah Pope. À fond. Ouais, on sera toujours à la trentaine, une trentaine de secondes toujours. Hein. Et c'est encore Florène Bernard derrière. C'était déjà elle au tour précédent qui... 23 secondes. Dernier écart pour Florène Bernard qui fête ses 21 ans aujourd'hui.
avec également la présence de Colin Rabhi hein, pour le Team L Groupama Pays de la Loire. Hein. Depuis tout à l'heure, Colin Rabhi, elle est également bien placée. Et on apercevait aussi pour la formation donc vendéenne, la Dynamips Claris Automobile, la présence hein, de Chloé Schoenberger qui est là depuis un petit moment. Chloé qui eh bien, est là pour contrôler, hein. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Tiens, on montre qu'on est là, on loupe et on casse un peu les relais de temps en temps. Alors on a perdu l'écart, toujours on était à 30 secondes tout à l'heure, on est passé désormais à une vingtaine, mais c'est vrai que pour l'instant on la laisse au commandement et on ne se pose pas de questions. Derrière on est là, on est en train d'essayer de contrôler, mais c'est vrai que Florène Bernard pour la formation InSpace, bon bah elle est accompagnée de Noémie Agbral, mais on n'a pas non plus 8 concurrentes pour faire le travail comme les autres voilà, équipes de N1. Ça. Toute seule, on peut pas, elle peut pas faire le travail à elle toute seule d'une équipe, quoi. Donc voilà, peut-être qu'elle emmène Noémie pour attaquer ensuite, peut-être qu'elle roule et que Noémie va essayer de sortir derrière ensuite. C'est ma réponse dans quelques minutes. On va en profiter pour saluer les partenaires de l'organisation et puis on se retrouve, nous, pour vivre la suite et la fin de cette première manche de la Coupe de France N1 ici à Guégon dans le cadre des boucles guégonnaises. À tout de suite. Aujourd'hui, elle est à Landy. Partie.
De retour sur la route de cette nouvelle édition des boucles guégonnaises, cette première manche de la Coupe de France N1 avec le scénario désormais à, on le rappelle, 5 tours. Il y a un petit décalage sur le contour, on est bel et bien à 5 tours de l'arrivée avec Sarah Pope qui est toujours en tête avec une vingtaine de secondes d'avance sur le reste du peloton. On va revenir sur la course évidemment dans quelques instants avec notre consultante du week-end, Lucie Jounier, mais on profite de la présence du président de l'organisation, Xavier Castel, pour lui faire dire quelques mots. Xavier, tout roule. On a commencé ce beau week-end de vélo avec les écoles de cyclisme tout à l'heure qui étaient plus qu'heureux d'être sur la route des boucles guégonnaises et en plus avec les caméras. Ah bah c'est sûr qu'on est, très très contents. Ils étaient très contents. Je pense que, comme l'a dit Jean à la sono tout à l'heure, on est la seule épreuve à pouvoir proposer cet écran géant pour les jeunes. Ils étaient 70 au départ et ils n'ont pas démérité ce qu'ils ont fait la côte de l'arrivée ou le faux plat de l'arrivée, et on les voyait tous esténués après. Donc ils ont montré le pas pour justement la Coupe de France N1. Et puis bah, depuis 5 tours, on vit une course palpitante avec cette concurrente je pense qu'elle a des fourmis dans les jambes parce qu'on l'a déjà vue tout à l'heure et puis elle est encore repartie. Ouais, elle a déjà fait ça par le passé, on va en parler avec Lucie Jounier dans quelques minutes. Mais c'est vrai que c'était important pour vous aussi de faire ce petit changement entre les N1 et les N2, d'avoir une journée exclusivement aussi au N1 parce que le matin c'est compliqué aussi, c'est tôt, il y a presque 100 km de course, pas forcément facile à gérer. Là on a vraiment presque l'après-midi consacré à la Coupe de France N1, c'était vraiment une volonté de l'organisation. C'était une volonté de l'organisation de mettre au même niveau les femmes que les hommes. On sait que la N1 c'est l'élite, c'est d'amateurs. On sait que l'année passée on avait Amandine Fouquenet, Maureen Tréguette qui étaient avec nous au niveau des professionnels et qui ont été dans ces équipes aussi, notamment Maureen avec la Bridge Lady. Et on sait que c'est avant de venir à Gent-Wevelgem demain où on retrouvera notre marraine Marie Lenette. Et on sait qu'on a il y a ces épreuves N1 et on avait vraiment envie avec toute l'équipe de les mettre à l'honneur le samedi. Et puis on mettra à l'honneur les femmes N2 demain matin. Et puis l'élite homme, internationale et nationale, avec la 37e boucle guégonnaise homme demain. Donc c'est histoire d'avoir chacun son après-midi, les femmes aujourd'hui et les hommes demain. On voit que ça bouge évidemment depuis plusieurs minutes dans le peloton avec cette situation Sarah Pop, ça bouge aussi avec la formation de Chambéry Cyclisme Compétition. Xavier, je vais te laisser donner ton casque à Jacques qui est avec nous, qui va pouvoir nous dire aussi un petit mot pour lui qui a vraiment l'aspect sportif en main de ces deux jours de course sur les boucles guégonnaises. Jacques, un petit mot sur ce plateau. C'est vrai que quand on a Coupe de France, on a la chance d'avoir un plateau tout de suite qui est assez sympa et qui nous permet d'avoir de très belles courses. Oui, ça nous permet d'avoir les meilleures françaises, tant au niveau N1 qu'au niveau N2. Donc c'est la garantie d'avoir un spectacle, en tout cas de qualité, et puis de haut niveau sportif, ce qui, je pense, va réjouir les spectateurs. On sent petit à petit que d'année en année, le niveau est en train de monter aussi au sein des N1. Tu le sens aussi au niveau des exigences, des demandes, des façons de faire aussi des différentes équipes qui viennent au moment où, a priori, on va avoir un regroupement général là. Oui, on sent que ça se professionnalise. Moi, les premières années, on va dire que j'avais très peu de contact avec les équipes et cette année surtout, moi je suis en contact avec les directeurs sportifs quasiment depuis Noël pour avoir des renseignements, pour avoir le parcours du circuit, pour avoir la topologie, pour savoir même les conditions météo quelquefois. Donc les courses sont préparées en amont et c'est pour garantir effectivement que leurs filles soient performantes. Les DS prennent de plus en plus de renseignements pour pouvoir participer au mieux aux épreuves. Le fait d'être la première manche de la Coupe de France N1 aussi, ça met un petit peu de pression parce que c'est vraiment le lancement de la saison, le rendez-vous important aussi pour lancer l'année des équipes. Oui, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, surtout que cette année il y a moins d'épreuves que d'habitude, donc les points qui vont être pris ici sont très importants pour la suite de cette Coupe de France. Si ces clubs, ces teams qui participent, c'est d'autant plus important pour eux parce que c'est souvent des objectifs majeurs dans la saison et rater la première manche, c'est quasiment déjà presque être éliminé pour le classement final.
Merci beaucoup d'être passé avec nous. Je sais que l'emploi du temps est serré, l'emploi du temps est chargé pour vous ce week-end. Donc, on va vous laisser avec Xavier repartir évidemment et saluer l'ensemble des bénévoles. Et c'est l'occasion évidemment de saluer toutes vos équipes. Merci beaucoup, merci. Jacques. On va pouvoir dans quelques instants retrouver Lucie qui va pouvoir me rejoindre à 5 tours de l'arrivée où on a eu du changement évidemment. Lucie, tu l'as constaté avec la fin de l'aventure, sauf erreur de ma part. Valentin va nous confirmer ça. Fin de l'aventure pour Sarah Pop, la concurrente vendéenne qui, a priori, a été rejointe. On va avoir la confirmation en image avec ce ralenti réalisé il y a quelques minutes. Alors, Sarah Pop, on l'évoquait à l'attaque tout à l'heure en début de course, à l'attaque à nouveau il y a encore quelques minutes. Elle a déjà fait le coup cette saison. Hein. Exactement, ouais. On vient de me dire que sur la route de l'Ouest, elle était partie au bout de 4 km et voilà, on ne l'avait pas revue avec une autre concurrente par contre cette fois-ci. Donc voilà, elle est habituée, ouais, voilà, elle est habituée, elle avait fini, elle avait gagné quoi. Donc elle est habituée à ce genre de numéro. Mais voilà, cette fois-ci ça n'a pas fonctionné, mais elle peut se remettre dans les roues à l'abri et peut-être qu'elle a encore un peu de force pour pourquoi pas ne ressortir dans le final. En tout cas, ça change effectivement d'équipe en tête de peloton. Mais elle est toujours derrière, hein. Ouais. Elle n'a pas lâché, on voit qu'elle est toujours là. Et De nombreuses accélérations hein, depuis tout à l'heure. Elle pourrait se relever et se remettre dans les roues pour ne pas avoir besoin de faire l'effort. Et en fait, elle est toujours là, aux avant-postes. Ouais, c'est son rôle aujourd'hui, vraiment, d'être dans tous les coups. On aperçoit la formation aussi de la Braise Ladies hein, qui se rapproche aussi des premières positions. On l'avait vu tout à l'heure un peu distancé. Donc là, on vient de passer à la mi-course. Hein. On a eu un petit souci avec le contour tout à l'heure. On est bel et bien à 5 tours désormais, une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée. Vous ne rêvez pas, on ne rajoute pas des tours au fur et à mesure. Voilà, il y a eu un petit problème tout à l'heure avec le contour au moment du départ. Ça a été réglé, pas de souci. Et là, c'est ressorti derrière et la Braise Lady s'est écartée. Ouais, elle ne pouvait pas suivre. On va faire le point avec ce quatuor là, qui semble intéressant à suivre. Winspace, le Team L aussi représenté. Ouais. Et derrière, on voit pas la dernière concurrente. On va attendre ce petit écart, hein, et au sommet là où le vent est plus que présent aussi. Mais Sarah Pop, elle ne s'arrête jamais en fait. Il y a quelqu'un de Chambéry aussi, hein, dans ce groupe, en dernière position. On va avoir la compo, on espère, dans les prochains instants. Mais c'est vrai que tout à l'heure, on apercevait pour Chambéry, Marie-Louise Billard qui était dans les premières positions. Il y avait Nina Lavenue aussi, Marine Ferré et Maconte. Il y avait vraiment beaucoup de monde hein, pour la formation de Chambéry, puisque les quatre concurrentes que je viens de vous citer étaient dans les 10 premières positions du peloton. Donc vous voyez, il y avait vraiment une volonté pour Winspace. Hein. C'était vraiment Florène Bernard hein, qui faisait le gros du travail depuis tout à l'heure. Noémie Agbral était également bien placée hein, pour les deux concurrentes professionnelles. On avait la spécialiste du cyclocross, Hélène Clausel de la formation troyenne qui était dans les avant-postes aussi. Ouais, Noémie Abgral qui s'était blessée au Tour de Normandie. Alors c'est pas cassé finalement, ça a été un hématome ou quelque chose comme ça au niveau des ligaments. Elle a pas trop su me dire pour être honnête et elle a enlevé son attelle hier donc voilà, elle a pas pu beaucoup rouler cette semaine. Donc, elle est en test quoi aujourd'hui. Vraiment. Voilà, c'est ça. Elle a enlevé son attelle hier, c'est un peu, voilà, il y avait une course pas loin, donc ça permet de courir, c'est toujours bien. Ouais, puis c'est l'occasion de se tester en conditions réelles. Exactement. Après, ça change quand même pas mal des Coupes de France aux courses professionnelles. Mais c'est toujours un petit challenge aussi de s'engager sur ce genre de course. C'est vrai que par rapport à la semaine dernière où l'allure devait être totalement différente, on l'imagine. Là, on est sur un autre scénario parce que comme chez les pros, ça ne court pas forcément de la même façon non. aussi. Hein. Pas du tout, ouais. Et là, on voit que ça fait beaucoup de dégâts. Hein. Cette accélération qui fait mal à l'arrière avec de nombreuses concurrentes qui n'arrivent plus à suivre le rythme en tête de course. Ouais, c'est compliqué pour tout le monde. Hein. Terminé là dans les dernières positions, on a Léa Rondel hein, pour la formation troyenne, alors qu'à l'avant du groupe là, on a c'est un premier peloton presque. J'ai l'impression que c'est Emma Comte encore une fois de Chambéry. Elle fait des efforts hein, depuis tout à l'heure, ouais. Emma Comte. C'est vraiment un beau potentiel aussi, hein. Elle a été de nombreuses fois en équipe de France.
Belle qui a eu l'occasion de briller là il y a quelques semaines en classe 2 italienne. Hein. Elle avait pris la deuxième place sur cette épreuve italienne. On l'avait vu briller sur l'altitude tour, notamment pour celle qui était dans le top 20 des championnats du monde. Allez, ça bouge à l'avant avec vraiment ces petits groupes qui sont en train de se reformer. Eh, c'est un premier peloton. On a presque une quinzaine de concurrentes là au commandement de cette épreuve. Avec les représentantes de La Roche-sur-Yon qui sont bien là. Les représentantes de Chambéry également. Là, elles ont vraiment envie de durcir la course. Voilà, elles ne vont pas se relever tout de suite. Ouais, et puis c'est toujours un symbole important la mi-course. C'est là, voilà, on a fait une cinquantaine de bornes. Ça y est, c'est vraiment parti. Attention à ne pas trop donner non plus à l'avant, ouais, pour c'est casser. Exactement. C'est un peu le risque aussi qu'il peut y avoir. Après, le risque avec les gros groupes comme ça, c'est que ça n'arrive pas à s'organiser et que du coup, derrière, ça re-rentre. Et c'est encore en train de casser. On voit que Lanester fait l'effort. Ouais, et puis c'est compliqué hein, pour la concurrente de la Brace Ladies là en dernière position. On va pouvoir voir ça avec vraiment les concurrentes de Chambéry là qui font le gros de l'effort. Il y avait un sprint aussi à aller chercher avec une nouvelle fois Sarah Pope hein, qui est en train d'amener. On était là avec plusieurs concurrentes hein, qui tentaient. On avait aussi Marie-Louise Billard, hein, on vous en parlait tout à l'heure pour la formation de Chambéry qui était dans les premières positions avec la présence aussi hein, pour cette formation en ce qui concerne les représentants vendéens avec Chloé Schoenberger qui est également dans le coup. Et là, c'est le peloton principal et qui là, passe derrière, ici. C'est Noémie qui roule, Noémie Abgral. Ouais, donc c'est bien Florent Bernard qui est à l'avant pour la formation du Winspace. Il n'y a vraiment plus beaucoup d'éléments dans le peloton. Et c'est assez compliqué hein, pour cette première manche de la Coupe de France. Regardez, il y a encore un petit groupe là qui passe ici. Il y en a vraiment dans tous les sens. Hein. Et on voit beaucoup de représentants du Team L dans les petits groupes. Ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle non. Pour la formation. J'ai pas vu où était Justine Jégu. Pas vu encore distancée. On va voir si c'est le cas ici. Sophie Almeida dans ce groupe. Qui avait eu l'occasion de briller. On a vu Amélie Radinier Ingelar aussi. Et toujours Chambéry qui roule. Hein. Là, c'est le gros travail hein, en ce qui concerne cette formation victorieuse l'an passé avec Marie-Louise Billard notamment. Et ouais, Sarah Pope, elle pourrait sauter des relais parce que voilà, elle a quand même fait deux échappées solitaires et non, elle continue. C'est vraiment ouais, la concurrente qui devait être à l'avant, hein, le destin le disait. Et on n'a pas forcément, on a vu une concurrente pour la Brace Ladies, alors elle n'est pas encore identifiée. C'est peut-être l'occasion pour nous d'écouter effectivement Alice Brédard que tu as rencontrée tout à l'heure. C'était quelques instants avant le départ, l'occasion d'échanger avec elle sur ce que représente aussi la Coupe de France. Et puis l'ambition aujourd'hui pour la formation de la Brace Ladies, on en profite pour écouter Alice Brédard. Alors Alice, vous êtes l'équipe de la région avec Lanester. Il y a beaucoup de pression, je pense, aujourd'hui sur vos épaules. Quel est l'objectif et comment tu te sens? C'est la première Coupe de France, il n'y a pas eu de grand rendez-vous avant, c'est toujours un peu stressant. Comment tu te sens à l'approche de cette première manche? Bah là, je me sens plutôt bien. Avec l'équipe, on a un bon collectif. Il n'y a pas forcément de pression parce que on est là pour se faire plaisir, c'est chez nous. Et on est là pour briller, pour montrer le maillot. On va faire du vélo aujourd'hui, donc on a bien hâte. On espère qu'il ne va pas trop pleuvoir, mais bon, on verra. En parlant des conditions, s'il pleut, t'es plutôt, tu préfères la chaleur, la pluie, ça t'embête pas s'il pleut ou t'es plutôt grand soleil et chaleur? Bah s'il pleut, on va faire avec, mais c'est pas cool. Et quand il fait chaud, c'est bien aussi quoi. Ok, bon, on espère qu'il va faire beau alors. Merci.
ne pas parler de météo en Bretagne. On l'a dit, Lucie, tu le sais quand même. Bon, là, c'est avec des Bretonnes, tu es pardonnée. En tout cas, voilà en ce qui concerne ce petit bilan, en tout cas ce petit briefing, on va dire, pour la formation Braise Ladies qui est représentée à l'avant actuellement avec Ilona Roy. En fait, on avait deux petits groupes qui étaient séparés de 3 secondes sur la ligne. Le premier groupe, on avait Clémence Latimier pour Chambéry avec Marie-Louise Biard. On avait également dans cette composition la présence de Sarah Pop et de Chloé Schoenberger pour la formation vendéenne. Pour le team L, Groupama Pays de la Loire, c'est Loane Ménager et Colline Rabhi qui étaient de la partie. Et on avait également un petit peu plus loin la présence de la championne de France de cyclocross, Hélène Clauzel, qui était là pour la formation troyenne, Emeline Courteau pour le VC et Morteau Montbenoît, Noémie Doma pour la Nester Women Morbihan, avec Emma Comte aussi pour la formation, on le disait, de Chambéry Cyclisme. Voilà le groupe qu'on devrait retrouver à l'image ici. Ilona Roy ici pour la Braise Ladies. En ce qui concerne ce groupe-là qui compose la tête de course, on fait le point complet avec Meret Zimmermann pour le VC Morteau Montbenoît, Justine Chevrieux pour le team Centre-Val de Loire et Noémie Agbral a emmené elle le peloton avec un retard de 24 secondes sur le passage précédent en ce qui concerne la ligne d'arrivée. Allez, ça se retourne désormais. Il y a vraiment deux formations que l'on aperçoit au commandement depuis le début. Parce que regardez, Sarah Pop, elle revient devant et elle en remet un coup. Hein. Vraiment, hein, Sarah Pop. Bien. Ouais, Ilona Roy qui est encore, encore junior. Et la concurrente de la Braise Ladies qui est là pour faire aider évidemment les différents clubs. C'est une spécialiste de la piste. Ilona Roy, elle a l'occasion de s'entraîner sur... le nouvel équipement qui nous accompagne depuis septembre en Bretagne pour le plus grand plaisir des pistards, c'est le Vélodrome de Bretagne. Il y a un pôle espoir désormais qui est fait en partenariat avec le lycée des Niveaudières qui est juste à côté et donc le comité de Bretagne pour lancer ce pôle espoir Bretagne Endurance. Et le Vélodrome de Bretagne accueillera d'ailleurs la Coupe de France de l'avenir qui sera organisée donc le 20 et 21 avril prochain. Ce sera donc l'occasion de voir les futures pépites de la piste française s'affronter sur le Vélodrome de Bretagne. Véritable répétition avant les championnats de France qui arriveront par le futur. Vraiment une belle structure. Ouais. Un Vélodrome comme ça, tout neuf. On l'attendait depuis un bon moment en Bretagne et c'est maintenant chose faite. As-tu déjà été faire ton baptême du Vélodrome de Bretagne? Je dois avouer que non. Il faut aller tester. Je suis loin de la Bretagne maintenant. Non, mais il faudra y aller un jour. Oui, c'est vrai. Ça se regarde beaucoup dans le groupe. On va revenir désormais sur la course avec, on l'a dit, Florent Bernard de Winspace qui a repris les commandes il y a quelques instants. Et on apercevait effectivement quelques petits regards entre plusieurs concurrentes au sein de ce groupe de tête. Ouais, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas toujours une bonne chose d'être... dans un gros groupe comme ça, parce que voilà, on se regarde beaucoup, tout le monde ne veut pas rouler, et donc voilà, ça se regarde, et derrière, ça peut revenir. Et on aperçoit un peloton qui occupe toute la large, qui est en file indienne, pardon, et ouais, qui va pouvoir maintenant faire la différence. On va le savoir peut-être dans les prochaines minutes, parce que là, c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de formations représentées. Avec ici, on le disait à l'instant, la présence d'Ilona Roy pour la formation. La formation donc Braise Ladies. On apercevait ensuite les différentes concurrentes. Colline Rabhi qui a remporté les boucles de Seine-et-Marne cette année, donc on sait qu'elle est en forme en ce moment. C'est une bonne chose pour le team L de l'avoir à l'avant. Et Emma Comte qui se soulage dans les roues un peu. J'ai pas l'impression qu'on soit quand même très efficace dans ce groupe. Non, voilà, c'est... on se regarde. Ouais, on est un peu trop. Hein. Exactement. On le voyait là avec la concurrente de la formation lanestérienne, Noémie Doma, qui est ici, qui était juste là dans, en avant-dernière position là, de votre écran. Voilà, peut-être que lanester, c'était pas le,
la leader représentée à l'avant, donc elle se dit ben, mes leaders sont derrière, donc j'ai pas envie de rouler parce que voilà, faut pas que je roule, faut pas que ça creuse, parce que c'est la Braise Ladies, elle est toute seule, peut-être qu'elle a envie d'avoir du renfort, donc Mais pour l'instant, ça tient quand même pour ce petit groupe, parce qu'on évoque un écart de 30 secondes qui vient d'être annoncé à l'instant sur Radio Tour. Ça s'est fait aussi à la pédale, donc je pense que les filles derrière sont bien fatiguées, bien usées, donc ça peut être compliqué de revenir. C'est l'échappée qu'on voit au loin. Ouais, j'arrive pas à savoir là si c'est l'échappée ou... Parce qu'il y a plusieurs groupes en fait. Hein, c'est un petit peu le bazar aujourd'hui là sur les différents groupes. On voit que c'est hyper compliqué, les filles là, elles sont usées, les pauvres. On voit que ça ramène un gros braquet, c'est moins fluide. Ouais, et puis c'est des filles qui ont eu l'occasion ou qui ont eu entre guillemets la malchance de sauter tout à l'heure déjà, hein, pour certaines, hein, qui ont été distancées, parce qu'on rappelle que les premiers tours ont été très très rapides avec de nombreuses accélérations, personne ne réussissait à sortir, mais l'écrémage se faisait par l'arrière, donc certaines ont sauté, elles sont rentrées ensuite dans le peloton principal. Maintenant faut voir ce que ça va donner. En tout cas là on est avec les concurrentes qui sont ici, avec Sylvia Le Gleut, notamment la championne du Morbihan pour le Lanester Women Morbihan. Et ça rattaque, ça essaye de ressortir. On avait annoncé une course usante et ça l'est vraiment. Ah bah on laisse forcément du jus depuis le début. Alors le vent s'est un petit peu calmé. Voilà, mais bon, c'est par rafale, hein, donc ça va forcément revenir dans les prochaines minutes. Mais c'est vrai qu'il est moins présent que tout à l'heure. Ça a beaucoup joué tout à l'heure, notamment quand les filles étaient en file indienne. Et ouais, quand il y a des rafales, ça peut encore jouer sur les parties montantes. Et là, on va tourner et on va retrouver une petite route. Allez, avec toujours la même situation pour l'instant, avec ce peloton ici, avec Flavie Arnoux que l'on aperçoit dans les dernières positions. On aperçoit également Marie Dozandez. C'est vrai que cette formation vendéenne, bah, elle est bien dans les dernières positions du peloton. Elle n'a pas grand chose à faire là. Elle a deux cartes à l'avant depuis tout à l'heure. C'est peut-être la formation qui est le plus présente et que l'on voit le plus, hein, depuis le début de la course. Ouais, elles peuvent être entre guillemets sereines. Bon, après, Sarah Pop qui est à l'avant, elle a quand même gaspillé pas mal, enfin utilisé du moins pas mal de force. Mais voilà, elles sont quand même deux à l'avant. Là, dans ce groupe-là, les deux qui sont présentes, elles n'ont vraiment rien à faire, mis à part suivre les coups si ça ressort. Mais ouais, c'est la position idéale pour elles si ça rentre derrière. Et là, on prend la petite route. On va monter effectivement et retrouver les premières pentes de cette côte du camping. Il y a un groupe, ouais, c'est vraiment pas loin, mais ça n'arrive pas à rentrer, quoi. Il y a un petit groupe devant, hein, c'est ça, hein. C'est ça. Alors, est-ce que c'est le peloton? On va retrouver peut-être notre caméra numéro 1 aussi dans les prochaines minutes pour savoir ce qui se passe en tête de course. Et ça va encore faire, ouais, ça fait encore des dégâts, hein, cette montée. Les filles qui se sont pas replacées avant de tourner et qui étaient un peu déjà à la limite, ça va peut-être être le tour de trop pour elles. Une centaine, hein, de kilomètres au programme, hein, de cette Coupe de France. On voit que c'est dur pour Léa Pitard. Oui, Léo, ce sera cet après-midi, hein. Demain après-midi. Je me projette trop vite. Eh, la Nestère, c'est en train de perdre deux éléments. Alors qu'on va évidemment vous parler aussi de ce qui se passe chez les messieurs sur le Grand Prix Gilbert Bousquet, qui est toujours...
eh bien, parrainé aussi avec cette épreuve de boucle guégonnaise. C'est vraiment une entente entre les deux organisations et c'est le représentant du Morbihan Adris Gwendal Olivier Automobile, le Britannique Maximilian Quechouet, qui a levé les bras aujourd'hui sur cette épreuve à l'Andivisio. Il vient de s'imposer il y a quelques minutes. On va vous donner évidemment le classement tout à l'heure. Et Maximilian Quechouet qui sera au départ évidemment pour la succession de Jocelyn Baglin qui s'était imposé l'an passé sur les boucles guégonnaises réservées aux hommes. Alors est-ce que la victoire restera pour la formation locminoise, restera chez les Magots? La réponse demain. On aura le plaisir de se retrouver en direct à partir de 14h55 si je ne dis pas de bêtises demain après-midi. Il va vraiment y avoir des petits groupes partout. Ouais, ça n'arrête pas. Hein. Ouais, c'est vraiment dur là. Hein. On a passé la mi-course. Et c'est encore long, 4 tours. Hein. C'est pas. C'est un tour de 9 800 km. Hein. Donc c'est pas rien. C'est pas des petits tours, effectivement. On va repartir là dans la cuvette dans quelques secondes. Et on va en profiter avant d'avoir un nouveau passage sur la ligne pour saluer les partenaires de cette organisation. L'occasion évidemment de remercier les personnes qui nous permettent de vous proposer ce direct avec toute l'équipe de 3SCV et qui permettent évidemment à l'équipe de Xavier Castel de pouvoir organiser cette nouvelle édition des boucles guégonnaises. Remerciements aux partenaires et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette première manche de la Coupe de France réservée à la catégorie N1. A tout de suite. Trois tours de l'arrivée désormais avant de connaître le dénouement de cette première manche de la Coupe de France réservée aux dames ici à Guégon dans le Morbihan avec du changement en tête. Nous avions un groupe composé d'une dizaine d'unités et vous le constatez vous-même, c'est en train de bouger désormais avec une accélération pour les concurrents de la formation Chambéry Cyclisme Compétition. On va pouvoir se retrouver là à l'instant avec la concurrente de tête qui vient de passer à l'instant et on le disait, c'est Clémence Latimier, hein, une concurrente qui était déjà au commandement depuis plusieurs minutes. Il y a eu un petit regroupement au sein du groupe principal et des concurrentes qui n'était pas présente à l'avant. On rejoint le groupe qui passe à l'instant, vous le voyez que vous avez à l'image avec toujours ses concurrentes vendéennes hein, qui sont en train de mener les débats avec Sarah Pomme qui est également de la partie et Clémence Latimier qui a une avance plus que confortable pour le moment. Et la team vendéenne ne s'arrête vraiment jamais. Là, ils n'arrêtent pas. Elle est toujours aux avant-postes et elle est toujours là pour rouler quoi.
Après, faut pas faire le travail de tout le monde non plus, quoi. C'est un peu le risque. C'est le risque, exactement. Parce que le problème comme ça, quand on a une formation qui marche bien depuis le début de la course, c'est aussi de faire prendre l'habitude aux autres que l'on va rouler. C'est ça, exactement. Et de, finalement, pour les autres équipes, de dire on laisse faire, on va les laisser rouler. Maintenant, de toute façon, c'est elles qui roulent. Et c'est exactement ce qui se passe à l'instant T, puisqu'il n'y a aucune autre équipe qui épaule cette équipe vendéenne pour l'aider à rouler. Elles sont toutes seules et elles font le travail toutes seules. Clémence Latinier, on le rappelle, la concurrente d'une vingtaine d'années qui nous vient d'Isère, qui a eu l'occasion déjà de participer au Tour de l'Avenir et qui se consacre au vélo depuis seulement quelques petites années, venue sur le tard à la discipline du cyclisme. Mais on voit vraiment deux formations sur cette course, depuis le début de course. Chambéry, toujours aux avant-postes, et L'équipe vendéenne. La Dynamips Clarisse Automobile, qui pour le moment, effectivement, est la formation la mieux représentée avec cette équipe de Chambéry Cyclisme Compétition Féminin. Après, on voit que les autres équipes, elles sont quand même un peu plus en difficulté, quoi. Dans l'échappée, elles n'étaient pas tout autant représentées, donc... Alors, est-ce qu'on peut parler d'être en difficulté? Est-ce que finalement, être absent à ce moment-là de la course, c'est pas forcément quelque chose de bien, dans le sens où est-ce que certains n'attendent peut-être pas une arrivée au sprint? Est-ce qu'on ne se dit pas mieux vaut attendre plutôt que laisser des cartouches bêtement avant? C'est peut-être ce qu'on se dit, je sais pas. C'est pas toujours bien d'attendre justement et de se dire que ça va arriver au sprint, parce que on l'a vu dans le dernier tour, il peut se passer la même chose et un petit groupe peut se jouer la victoire. Après, c'est sûr que ça peut fonctionner, mais oui, si ça arrive au sprint massif, il peut y avoir des filles qui étaient lâchées au dernier passage et qui viennent faire une belle place, un beau top 10 ou un beau top 5. En tout cas, ça n'arrête pas depuis tout à l'heure. C'est affolant le nombre de concurrentes distancées qui passent sur cette ligne. On sent vraiment que l'épreuve a marqué les esprits depuis le début et... Certes, on a eu le temps capricieux, le vent qui a été capricieux, mais les conditions sont quand même plus qu'agréables pour faire du vélo aujourd'hui. Oui, on a eu un peu de pluie pour la présentation d'équipe, mais depuis le départ, ça s'est quand même calmé. Une petite averse, je crois. Une petite averse, mais ça s'est calmé quand même, donc... Comparé à l'année dernière, quand même, c'est un temps magnifique. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas du tout comparable. C'est les tropiques. Et on aperçoit là aussi que ça devient compliqué pour plusieurs concurrentes, notamment ici à l'image de la formation troyenne. Et toujours devant. Et le retour sur la concurrente de tête, désormais l'écart qui est d'une trentaine de secondes. Pour Clémence Latimier au commandement de l'épreuve. Et pareil, elle ne se retourne pas, hein. C'est le même comportement que Sarah Pop sur sa dernière attaque. C'est peut-être le moment adéquat pour sortir. Parce que derrière, on a encore deux concurrentes, si je ne m'abuse, pour la formation de Chambéry dans le peloton. Enfin, on va presque appeler ça le peloton, le groupe principal. Ils sont une petite trentaine, donc quand tu as 80 filles au départ et que tu as un groupe de 30 concurrents à l'avant, c'est vraiment le peloton. Le parcours a vraiment fait beaucoup de dégâts. On voit beaucoup de filles passer de petits groupes. Et toujours la même équipe qui roule derrière. Dernier écart, 23 secondes avec le groupe que vous avez sur la partie droite de votre image avec la formation vendéenne qui roule toujours avec ici Marie de Zandez. On avait également Sarah Pop qui était de la partie. Regardez, il y a eu vraiment un regroupement avec notamment ici ce train vert et noir de la formation vendéenne qui montre une nouvelle fois où sont les patronnes de cette première manche de la Coupe de France. Maintenant, il faut que ça se ressente dans les résultats. Et on voit Chambéry qui reste aux avant-postes pour gêner toutes ces filles et toutes ces équipes qui essayent d'organiser la chasse derrière. Mais pour l'équipe vendéenne, c'est un risque parce qu'on a vu quand même pas mal de filles distancées. Deux ou trois filles de cette équipe distancée, donc le risque de faire le travail
pour tout le monde, c'est de retrouver beaucoup de filles distancées et de peut-être plus avoir de force pour l'arrivée au final. Il y a eu du retour quand même dans ce groupe. Là, elles sont presque une cinquantaine, hein. Une petite cinquantaine, je dirais. Ouais, peut-être que... C'est dur. Hein. C'est dur à calculer là, mais il y a eu du monde quand même qui est rentré par rapport à ce que nous avions tout à l'heure dans les informations de Radio Tour. C'est dur de s'organiser, hein. On voit que le team L est remonté, mais... L'écart qui progressivement est en train d'augmenter, on était à 23 secondes il y a encore quelques instants, nous évoquons désormais les 30 secondes. Et là on voit que ça se pose un peu. Et quand ça se pose c'est toujours la même formation, hein, la formation vendéenne voilà, qui est au commandement. Elles calculent vraiment pas leurs efforts aujourd'hui. Hein. Avec Flavie Arnoux hein, qui est remontée pour cette formation vendéenne. Pour celle qui était troisième ici même hein, sur l'épreuve des boucles guigonnaises, hein, mais elle était encore en National 2. S'il y a des petits groupes derrière, elles peuvent peut-être rentrer dans les voitures encore, mais... Faut plus traîner. Ouais, c'est ça. Retour sur la concurrente de tête que vous avez ici pour Clémence Latigny, elle qui a encore espoir. Et elle est vraiment la tête dans le guidon, hein, et quelque part... Elle est sympa là, cette image là, vraiment, effectivement. Pas du peloton, elle est à fond. On est vraiment dans son sillage là, dans sa concentration. Et on sent rien qu'avec la façon, le coup de pédale, l'effort qu'elle est en train vraiment de réaliser. Mais c'est fou, trois échappées et toujours trois échappées solitaires. Ça veut vraiment pas sortir. Enfin, il y a eu quelques groupes de sortie, mais ça veut pas... Des petits, ouais, il n'y a pas vraiment de moins de 5. Voilà, c'est ça. Ça veut pas prendre beaucoup de champs en groupe. Comment on explique ça, le fait qu'il y ait voilà, que des petites... soit un groupe de 10 qui est sorti à un moment donné, à l'instant T, mais sinon que ce soit juste une fille qui se retrouve à l'avant comme ça, à 2-3 reprises depuis le début de la course. Ouais, c'est bizarre, il y a personne qui suit les attaques de ces filles-là. Peut-être qu'au moment précis, elles choisissent le bon moment et que voilà, tout le monde est fatigué et voilà, ça n'a pas envie de bouger derrière. Mais quand même, au moins deux filles, c'est quand même un peu plus commun. Là, toute seule, à chaque fois, c'est compliqué quand même. Bon, elle a de la chance, il y a un peu moins de vent. Ouais, mais une trentaine de secondes, quand on voit les difficultés qu'il y a sur le circuit, c'est vrai que... Voilà, ça peut revenir très vite. Ouais, on l'a parce vu tout à l'heure, hein, ça revenait vraiment très vite. On s'y attendait pas, hein, d'ailleurs, hein, c'est revenu assez vite hein, sur Sarah Pop. Et là, on le voit que 18 secondes, hein, le nouvel écart. Ouais, donc voilà. Vous voyez que ça fait ça. Ça oscille vraiment, et là, on sent hein, ce que j'allais vous dire, que la formation vendéenne est en train de rouler. À l'avant de ce peloton. Ils n'ont vraiment pas calculé leurs efforts sur cette première manche. Ça a été la consigne hein, peut-être hein, aussi ce matin, se montrer. On en profite pour vous rappeler évidemment les rendez-vous demain matin à 9h20 pour le direct, donc pour le lancement des épreuves. On aura le plaisir de se retrouver sur la page Facebook des Boucles Guigonnaises et sur l'ensemble des partenaires de l'organisation. On se retrouvera pour vivre eh bien, la Coupe de France, mais désormais du niveau National 2 pour les féminines qui seront aussi à l'honneur. On se retrouvera donc avec les différents directs, avec nos amis de 3SCV qui assureront la retransmission du direct en ce qui concerne la Coupe de France N2. Nous aurons le plaisir de se retrouver vers 9h50 pour le début des images et pour l'épreuve réservée aux hommes et la succession de Jocelyn Baglin de la formation locminoise. On se retrouvera à partir de 14h55. Voilà le programme de cette deuxième journée de course ici au cœur de Guégon. Avec le tracé de la course en ligne pour les hommes qui ira dans le pays de Pleuhermel, dans le pays de Josselin, où on passera au pied du château de Josselin notamment. On verra de très beaux paysages aussi demain tout au long de l'après-midi. On a déjà hâte d'y être et de vivre le dénouement de cette première manche de la Coupe de France réservée au N1. Et on n'aperçoit pas le peloton derrière.
La coureur de tête. Et l'écart qui ne fait que ça, hein, qui ne fait que ça aussi entre eh bien, les 15 secondes, on est désormais à 30 secondes. Vous voyez, hein, ça fait vraiment le yo-yo dans les chronomètres. Le peloton qui, pour l'instant, ne bouge pas, toujours avec cette même formation qui roule. Elle est unique, c'est la formation vendéenne. Et là, on retrouve les pentes de cette côte du camping. Est-ce que ça va changer les choses pour le peloton? Réponse dans une poignée de secondes. Pronostic, Lucie, est-ce que ça va bouger là dans cette bosse? C'est souvent là que Sarah Pop se faisait reprendre. Tout à l'heure, on a vu que ça ne bougeait pas trop. Mais je pense que oui, là, il va falloir bouger. Il y a un moment, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Quand même. On aperçoit toujours pas le peloton. Hein. Après, voilà, on voit que Sarah Pop, c'était le même problème. Ça, c'est un peu dur dans cette difficulté. On voit que ouais, c'est compliqué. Elle est toute seule. Voilà, le vent, personne pour l'aider, pour lui passer des relais. C'est aussi ce vent qui fait... Eh bien, que le scénario de course est difficile. Parce c'est ça, exactement, ouais. Ça en condamne côté... aussi toutes les chances des petites échappées. On est là avec des concurrentes seules, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Comment voulez-vous qu'une concurrente seule puisse assurer des dizaines de kilomètres comme ça en solo avec un vent qui la défavorise pendant de nombreuses portions? Ouais, elles ont souvent quand même le vent de côté sur ce parcours, donc... C'est pas un avantage pour une fille toute seule comme ça à l'avant. Et le peloton, toujours pas envie de bouger. Et en attendant que ça bouge justement pour la course féminine, on vous annonçait il y a quelques instants en ce qui concerne l'épreuve du Grand Prix Gilbert Bousquet à l'Andivisio, la victoire de Maximilian Quechouet. On peut vous annoncer avec la deuxième place du coureur du VC Rouen 76, Florentin Lecamus-Lambert, la troisième place de Simon Milon pour le Morbihan Adrice Gwendal-Oliveux, quatrième Ilan Larmet pour le Dinan Sport Cycling et cinquième Brendan Lecam pour Créactuel Marie Morin U22. La bonne nouvelle, Lucie, les cinq que je viens de vous citer sont normalement au départ des boucles gigonnaises demain pour les hommes. Donc on devrait avoir la revanche et une très très belle course demain après-midi. Mais pour l'instant, on va vivre la belle course réservée aux dames avec toujours la même situation et la concurrente de tête Clémence Latimier, l'Isèroise de 20 ans qui pour le moment ouvre la route de cette première manche de la Coupe de France N1 avec un écart qui eh bien, est en train de varier entre les 15 secondes et les 30 secondes sur le groupe principal. A priori, dernier écart toujours d'une trentaine de secondes. Avec, eh bien là, c'est vrai que cette vue qui nous confirme que l'écart est supérieur aux 30 secondes. Et on rattrape même des concurrentes distancées. Donc là, on a mis 10 km à certaines concurrentes quand Exactement, même. Exactement, ouais. Ouais, c'est un parcours usant, hein. Il y en a vraiment qui souffrent. Et le peloton n'est toujours pas là à l'horizon, hein. C'est vrai que c'est... Ça commence à être bien pour la concurrente de tête. Reste à savoir évidemment comment ça va se passer pour la suite parce qu'il va rester deux tours. On va rentrer dans les 20 derniers kilomètres. On a vu Flavia Arnoux distancée, enfin en difficulté tout à l'heure de l'équipe de Vendéenne. Donc ça fait une coéquipière en moins. Alors que c'était quand même l'équipe qui roulait le plus, donc ça peut rajouter de la difficulté pour s'organiser derrière. On rappelle hein, qu'en moyenne elles sont 8 par équipe sur les différentes formations de N1. Alors comment ça se passe à l'arrière? C'est la question que l'on se pose. D'ici quelques minutes, on va avoir le plaisir de les retrouver à l'image, puisque nous allons pouvoir passer évidemment sur la ligne d'arrivée, à deux tours de l'arrivée, mais vous voyez que les véhicules sont en train de passer désormais derrière la concurrente de tête. Et Chambéry derrière fait vraiment un beau travail, voilà, on les voit toujours à l'avant, en train de gêner les adversaires, et ça c'est vraiment un beau travail d'équipe. Et là on voit que le peloton roule pas du tout.
Ça se regarde, regardez ça. On a même, on est obligé de freiner même à l'arrière pour pas rentrer dans. Ouais, Flavie Arnoux qui était en difficulté et a réussi à rentrer alors que qu'elle roule quand même pas mal depuis. Depuis tout à l'heure. On aperçoit Mario Cartier ici pour la formation de Chambéry, hein, qui a encore quelques cartes aussi à l'arrière de ce peloton principal. Les concurrents de Lanester qui sont là aussi à plusieurs reprises. Alors après, ce qui peut se passer, c'est on va pouvoir aussi assister à des attaques et se retrouver avec des concurrentes intercalées, hein, entre la concurrente Exactement. De tête et le reste, parce que là, le départ a été donné tout à l'heure à 15h. On a dépassé les 2 heures de course, hein, 2 heures et 15 minutes chez ces concurrentes. C'est aussi un point important à souligner, hein, plus de 2 heures de Exactement. Course. Ça pourrait justement être bien de se faire reprendre par quelques filles, dont une de ses coéquipières, et voilà, elles n'auraient pas forcément besoin de rouler, ou elle pourrait rouler et sa coéquipière n'aurait pas besoin de rouler, donc ouais, ça pourrait être intéressant pour Chambéry, et ça serait encore une position de force pour cette DN. Et ça, ce serait le scénario idéal, mais Lucie, je suis pas sûr qu'il en soit ainsi, parce que là, on le constate, une seule concurrente au commandement, avec eh bien, la position pour l'instant sur le vélo, qui est toujours la même, hein. Et le public qui va pouvoir l'encourager au moment où elle va passer à moins de 20 km de l'arrivée désormais. Il reste 2 tours sur cette première manche de la Coupe de France N1. Ça va la motiver un peu de passer à l'arrivée. Voilà, il y a toujours un peu plus de monde. Et derrière, le peloton qui ne roule toujours pas, hein. Non, on occupe toute la largeur de la route. On est ici encore, on vient juste de rentrer dans Guégon. L'écart qui pour moi va être au-dessus des 40 secondes, hein. Profite du beau temps breton. Ouais, alors ça c'est la mauvaise nouvelle, parce que vous voyez sur les caméras quand même, c'est des nuages sacrément noirs qui sont derrière la ligne d'arrivée. Donc le beau temps breton, elles vont vers le soleil, elles tournent vers le soleil, mais derrière elles c'est la pluie. Hein. On va voir ce que ça va donner. Déjà au niveau de l'écart, déjà 35 secondes que la concurrente de tête est passée. Clémence Latimier au commandement, avec cet écart qui ne cesse d'augmenter. Avec les nombreuses accélérations, hein, qui se font sentir. Florène Bernard, encore une fois. Et toujours la même toujours, chose. Hein. Exactement. Et Emma, ouais, Chambéry font vraiment un beau travail derrière. Ouais, on est à plus d'une minute, hein, de retard. Une minute et une quinzaine de secondes. C'est le dernier écart. Florène Bernard qui est dans le coup. Évidemment, Sarah Pop toujours. Et Emma Comte. Voilà pour le petit trio qui tentait de sortir. Et Marie-Louise Biard derrière qui est en train de rentrer sur le groupe. Enfin, qui essaye de rentrer. Ça serait vraiment 3 filles à l'avant de Chambéry. Ça serait. Ce serait une belle OP, hein, pour Chambéry. Ouais, c'est vrai que. Sarah Pop encore, elle est vraiment. Ah, mais Sarah Pop, ouais. Elle s'arrête jamais. C'est toujours, toujours la même chose. C'est sa course. Et avec celle qui fête son anniversaire aujourd'hui, hein, on le disait, la concurrente de Winspace qui fête aujourd'hui ses 21 ans. Et il s'agit de Florène Bernard que l'on retrouve dans les premières positions. Ce serait un beau cadeau de lever les bras sur cette première manche de Coupe de France. Ah, bah oui. C'est clair que ça marquerait son anniversaire. Elle se retourne toujours pas, hein. Elle est vraiment à fond. En position aéro. Bah avec et puis là, est-ce qu'on peut commencer à y croire avec une grosse minute d'avance à 20 km de l'arrivée? Bah 20 km c'est quand même encore long, il peut tout se passer. Si elle a pas bien mangé, c'est pas bien alimentée, elle a pas bien bu avant, il peut tout se passer. Après, elle a quand même une belle avance, mais le parcours est quand même usant, quoi. C'est dur, mais si le petit groupe pouvait rentrer sur elle, ça pourrait devenir intéressant. Surtout que le petit groupe est vraiment en train de sortir. Exactement, hein. C'est en train de sauter derrière. Je on pense le disait. Que vraiment, ouais, tout le monde était usé, et là, c'est vraiment les plus fortes qui vont se retrouver à l'avant. Avec toujours cette situation identique, Sarah Pop, la concurrente de la formation vendéenne. On avait Florène Bernard pour la formation Winspace et pour la formation de Chambéry, il s'agit d'Emma Comte. Voilà pour l'instant les concurrentes que l'on retrouve
ici à l'image au deuxième échelon de la course, mais on voit effectivement qu'elles ont doublé des concurrentes qui étaient distancées, mais on aperçoit aussi qu'à l'arrière on tente de rentrer aussi. Hein. Ouais. Il y a des concurrentes qui reviennent du groupe principal. Mais on voit que Chambéry ne roule pas, c'est normal, et on voit que du coup ça désorganise un peu ce groupe aussi. Bon, là, c'est ça, a le problème. À rouler, mais oui, ça peut du coup désorganiser tous les groupes. Parce qu'elles sont encore deux. Elles sont encore deux, ouais, c'est ça. Dans le... L'autre est rentré aussi, donc oui, c'est sortie de route. Mais faut. On reste vigilant, évidemment. Ça serait bête de partir à l'erreur quand on est en solo comme ça à l'avant. Enfin, on l'a déjà vu par le passé. Ça peut arriver. Et on relance, hein. Ça pose pas de questions. On va revoir cette petite trajectoire qui n'était pas des plus parfaites. Ouais, ça aurait été dommage de tomber. Ça va, elle a bien rattrapé le coup. Ouais, 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 ça va, ça va. Elle s'en sort bien. Même pas sali les pneus, je pense. Là, il y a les moyaux. On n'a rien pris. Et toujours à fond. Hein. Puis elle a même pris l'effort, l'instant aussi pour relancer. Clémence Latimier. Espoir de cette formation Chambéry Cyclisme Compétition Féminin. On vous a parlé évidemment il y a quelques instants de ces différentes références. Et derrière ça rebouge. Et regardez encore une fois Florène Bernard. Toujours les mêmes, ouais. Sarah Pop. Elle n'arrête pas Florène Bernard. Emma Comte. Après, c'est le rôle aussi des concurrentes de la formation Winspace. On l'avait vu l'année dernière. Quand on est comme ça, des concurrentes professionnelles, on sait qu'on compte pas dans le classement de la Coupe de France. C'est ça. Mais il y a un besoin aussi de venir là pour chercher du jus et puis surtout pour faire des efforts. C'est vraiment la volonté. Hein. Ouais, c'est ça. On a envie. Ben, on n'a pas toujours l'opportunité de pouvoir attaquer sur les courses professionnelles. Quand ça roule super vite, on peut toujours... Ouais, des fois, on essaye juste de suivre. Donc venir ici, ouais, ça nous permet de faire des efforts intéressants et aussi de voir comment est la forme. Est-ce qu'elle va y aller? Est-ce qu'elle va tenir? C'est la question que l'on se pose. Tiens, vous pouvez nous le dire, ce que vous en pensez de la performance aujourd'hui de Clémence Latimier sur la page Facebook de l'organisation, sur les différents directs. N'hésitez pas à nous tenir au courant, évidemment, de votre pronostic aussi, peut-être pour l'arrivée du jour. On va regarder ça dans quelques instants avec Lucie pour savoir ce qu'il en est sur cette épreuve, et puis peut-être passer des messages d'encouragement aussi à certains teams. Est-ce qu'elle va aller au bout? C'est la question que l'on se pose. Lucie, c'est le moment de se prononcer. Ah, c'est dur, hein. Ouais, c'est pas facile, ouais, je sais. Je t'écoute. Bah, on va... Derrière, ça a du mal à s'organiser, hein. Mais oui, mais ça ne va pas pouvoir s'organiser tant qu'il y aura des concurrentes c'est de Chambéry. Ça, donc c'est l'avantage c'est qu'a la formation de Chambéry. Là. Elles sont toujours là. Ça peut aller au bout, c'est possible. Il reste désormais une grosse quinzaine de kilomètres, hein. Ça peut le faire. Hein. S'il lui arrive rien, voilà, pas de fringale comme on dit, comme je le disais tout à l'heure. Si voilà, elle reste sur le même rythme et que derrière, ça s'organise pas comme ça. Ça peut aller au bout. Parce qu'il y a même le peloton derrière qui est en train de rentrer, presque sur le groupe de contre. Est-ce que le peloton va revenir et que du coup une équipe va organiser la poursuite? Si le peloton revient, c'est un autre scénario qui débute. C'est ça. Parce qu'effectivement, il y a des équipes peut-être qui n'ont pas roulé depuis le début, qui vont peut-être pouvoir mettre en place d'autres stratégies. Exactement. Maintenant, si on reste avec un groupe de contre comme ça d'une petite dizaine de concurrents, là, ça semble compliqué quand même parce qu'on l'a dit, sur la dizaine, il y a deux représentantes de Chambéry qui sont toujours là pour placer des coups. C'est ça, ouais. Et, ouais, emmener deux concurrentes de Chambéry dans les roues, c'est les amener un peu sur un fauteuil. Après, Emma Comte, c'est pas une sprinteuse, mais... Mais voilà, elles seront beaucoup plus, elles auront plus d'énergie que les autres. Donc c'est un risque. Et ouais, là on voit ça s'enterre, hein. Ça roule vraiment pas. Ouais.
Ça s'enterre, ça s'enterre dans ce groupe où on a Axel Guirado, la concurrente sudiste de la formation de l'Anester Women Morbihan. On aperçoit aussi parmi les concurrentes de ce groupe différentes représentations aussi, hein, pour Florène Bernard de Winspace, qui est un peu la patronne, hein, du groupe, hein. C'est elle qui fait le plus d'efforts, on le constate, c'est elle qui est souvent à l'avant et qui fait régner un petit peu aussi l'ordre. Mais à un moment, voilà, vous avez deux concurrents de la formation de Chambéry qui sont là, qui peuvent casser les relais, qui peuvent sauter dans les roues aux différentes attaques. C'est ça aussi, je crois qu'il n'y a pas d'équipe qui est plus représentée que Chambéry. Il y a des équipes qui sont aussi à deux, comme Chambéry dans le groupe de contre, mais ça veut dire que s'il y en a une qui attaque, bah, l'autre attaque, et derrière on peut encore avoir une autre, voilà, de Chambéry dans la roue. Ou alors il faut s'entendre, encore une fois, il va falloir créer des alliances entre guillemets entre, exactement, deux formations. Ouais, l'équipe vendéenne, je pense qu'elles ont pas mal roulé depuis le début de cette course. Elles ont laissé du jus, elles ont fait des efforts. Hein. Ouais, c'est elles qui faisaient tout le boulot jusqu'à maintenant, donc. L'écart qui a diminué un petit peu tout à l'heure, mais qui reste confortable. On approche là de la côte du camping. On est, je le disais il y a quelques secondes, à moins de 15 km de l'arrivée. Et on a toujours un avantage conséquent, 50 secondes. Tout peut se passer sur le dernier tour notamment. Mais 50 secondes quand même, c'est sûr que c'est un bel avantage. Il va falloir voir effectivement combien elle va perdre, mais là elle est en train de reprendre du terrain parce qu'elle a perdu beaucoup de temps après l'accélération du trio qui a eu lieu sur la ligne, parce qu'elle avait 1 minute et 10 secondes, 1 minute et 15 secondes d'avance quand elle est passée sur la ligne ici tout à l'heure. Après, il y a eu cette création d'échappée. On a eu là à l'instant ce regroupement qui est en train de se faire sur le deuxième échelon de la course. Est-ce que maintenant ce groupe va s'entendre? Est-ce qu'il va y avoir peut-être des attaques? En tout cas, pour l'instant, on ne semble pas vouloir rouler plus que ça dans ce peloton. Bah, qui dit regroupement comme ça de groupes dit moment de flottement un peu. Voilà, on voit qu'elle ne roule pas. Il va falloir s'organiser à un moment donné si elles veulent rentrer quand même. Après, c'est sûr qu'elle est toute seule, elle va se fatiguer rapidement peut-être. Mais là, le peloton n'a vraiment pas envie d'organiser la poursuite. Ouais, mais il va falloir y aller parce que à un moment, 10 km, lorsque les concurrentes vont passer sur la ligne, 9 km 800 pour être tout à fait précis, lorsqu'elles passeront au moment où la cloche retentira sur la ligne, il va falloir quand même se bouger un petit peu si elles veulent espérer aller chercher quelque chose. On va attendre de voir ce qui va se passer dans cette côte du camping. Hein. Désormais, c'est là où il peut y avoir des écarts, c'est là où il peut se passer quelque chose. Allez, on va en profiter de ce petit moment d'accalmie peut-être pour passer une petite page de pub, pour saluer nos partenaires, et on revient pour vivre la suite et la fin de cette première manche de la Coupe de France. À tout de suite. Sur les routes des boucles guégonnaises, c'est le final. On approche des 10 derniers kilomètres pour cette première manche de la Coupe de France réservée au club de National 1. On est ensemble depuis le début de l'après-midi, on est ensemble depuis 15h20. Ça fait maintenant près de 2h30 que les concurrentes sont sur l'épreuve et elles abordent à nouveau les premières pentes de la côte du camping. Et ça attaque à nouveau dans le groupe de contre. Et c'est toujours Florène Bernard qui est au commandement, celle qui fête ses 21 ans. Et regarde Lucie. Encore Chambéry, elles font vraiment un beau travail derrière. C'est vraiment un beau travail d'équipe.
On a eu deux formations qui ont marqué de leur empreinte la course. La formation vendéenne du Ladimapips Clarisps Automobile qui a eu l'occasion de briller au début de la course avec une très grande Sarah Pop. Et puis depuis la deuxième partie, on va dire, de course, c'est la formation Chambéry Cyclisme Compétition qui fait vraiment désormais régner le mot collectif au sein de ce peloton. Et puis s'il y a une performance individuelle à mettre en avant depuis ce qu'on voit depuis le début de la course, c'est Florène Bernard, parce qu'elle est également la concurrente professionnelle de Winspace dans tous les coups. Exactement. Mais tu le disais tout à l'heure, l'équipe Vendéenne roulait beaucoup, mais quand elle allait s'arrêter, est-ce que les autres équipes allaient prendre la relève? Parce que depuis le début de course, c'est ces filles-là qui faisaient tout, et on voit que les autres équipes, du coup, elles vont pas au charbon, et c'est pas elles qui entament la poursuite. Parce que depuis le début, c'est toujours les mêmes qui roulent, donc elles s'attendent à ce que ça continue finalement. Mais là, c'est vrai que Florène Bernard n'attend de l'aide de personne, hein. Même si elle essaye de se retourner, elle veut y aller et elle sent bien que derrière elle, il ne faut pas s'arrêter parce que c'est une concurrente de Chambéry qui est là, dans son sillage. Et là, ça fait mal, hein. Tout le monde est en file indienne. On va reperdre des unités dans le peloton. Il y a des filles qui ont passé vraiment leur course à faire le yo-yo, à sauter, ouais, à repasser derrière les voitures, à re-rentrer dans le peloton. Elles ont du courage, hein, parce qu'aujourd'hui, je veux dire, pour le moral, faut s'accrocher. Ouais, c'est dur, hein. Mentalement, c'est dur de lâcher, de se retrouver dans les voitures, de refaire l'effort, de revenir dans le peloton, de se retrouver derrière. C'est dur et il faut s'accrocher, il faut pas lâcher. Et là, c'est compliqué. C'est compliqué à l'avant. Ouais, la question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce qu'il lui reste du jus ou non, hein. C'est ça. En fait, c'est pas forcément les filles à l'arrière qui ont la clé de cette course aujourd'hui. C'est peut-être elle, la concurrente de tête, Clémence Latimier, qui est en tête maintenant depuis de nombreux kilomètres. Elle nous vient de l'Isère, elle a 21 ans, elle a eu l'occasion de participer au Tour de l'Avenir, elle a eu l'occasion de découvrir le cyclisme sur le tard. Et là, elle ouvre la route au moment où quelques gouttes viennent accompagner les concurrentes qui sont en train de gravir la célèbre côte du camping. Et Noémie Abgral. Qui en remet une. Il me semble que c'est Noémie Abgral qui se découvre maintenant. Après avoir tout à l'heure laissé Florène Bernard travailler. Et on comprend pourquoi Florène Bernard a travaillé. C'est pour la Bretonne, Noémie Abgral. Mais voilà, est-ce que les filles derrière vont lui passer un relais après cette attaque? Pas sûr. Mais en tout cas, on a bien réduit l'écart, hein, qui était lors du tour précédent à plus d'une minute et 10 secondes et qui est désormais passé aux 36 secondes, Lucie. Voilà, mais là, ça va encore se relever parce que toujours une fille de Chambéry dans la roue de Noémie. Et du coup, les filles, est-ce qu'elles vont vouloir rouler maintenant? C'est toujours la même question. C'est une belle fin de course qui nous attend là, avec une concurrente de tête que vous voyez sur l'écran de gauche, Clémence Latimier, qui a 36 secondes d'avance sur le groupe que nous avons sur l'écran de droite, avec une trentaine de filles qui étaient encore dans ce peloton. Un peloton qui a explosé il y a quelques instants sous l'accélération de Noémie Agbral. Et une fin de course sous la pluie. Oh, ça va peut-être... Et ça se relève pas, hein, ça. Et toujours Emma Comte en deuxième position, elle lâche pas les roues des adversaires. Ce qui est embêtant avec la Bretagne, c'est qu'il pleut mais qu'on a le soleil dans les yeux pour voir l'écran. Vous voyez, c'est l'avantage de la Bretagne. Alors que la cloche ne devrait plus tarder à retentir désormais pour la concurrente de tête. Là, la cloche, voilà, c'est le dernier tour, faut tout donner, faut tout lâcher. Après, elle a lâché pas mal d'énergie, mais voilà, c'est 9 km à fond. Et il faut prier pour que derrière, ça continue à se regarder comme ce tour-ci. En gros, on va dire qu'elle a perdu une trentaine de secondes dans un tour. C'est ça. Et il lui reste une trentaine de secondes. C'est ça. Donc, mathématiquement, ça peut le faire. Alors là, que je crois que ça part du côté de la Nestère. Exactement, ouais, la Nestère. Si je ne m'abuse. Ce serait pas Clémence... C'est un petit gabarit, en tout cas, comme elle. Ouais. Ah, je sais pas. Hein. On va voir le passage, hein, sur la ligne, de toute façon, qui est maintenant imminent. Mais c'est vrai que cette attaque peut changer quand même pas mal de choses. On va voir s'il s'agit de notre double championne du monde sur piste, elle qui était encore sur la Coupe des Nations, sur les vélodromes à Hong Kong, il y a quelques jours, rentrée seulement il y a quelques jours, c'était mardi qu'elle a fait son retour en France, avec le décalage horaire, l'adaptation. Est-ce que c'est elle que nous retrouvons ici ou une autre concurrente pour l'information lanestérienne? On va voir ça dans un petit instant.
Et on a déclenché les chronos pour savoir ce qu'il en est et l'accélération qui aura permis de revenir. Mais là, c'est à nouveau une phase d'observation. Exactement. Encore un moment de flottement. Et ça repart et sur ça la repart gauche, sur la droite de la route. Et toujours Chambéry, hein. Mais Chambéry fait le travail Chambéry, parfait. Exactement, ouais. C'est vraiment un travail. Franchement, elles pourront être fières de leur travail derrière. Ah bah les coéquipières de Clémence Latimier peuvent être fières de ce qu'elles font. Elles assurent vraiment bien derrière. 30 secondes, dernier écart avec Marie-Louise Billard, hein, qui est en train de réaliser effectivement le travail pour revenir. Et toujours Sarah Pop, hein, elle est toujours là. C'est affolant ce que elle aura Sarah Pop. Pas lâché la tête de la course ou du peloton depuis le début. Alors on va faire un petit peu de maths, même si le cyclisme ce n'est pas que des maths. Elle a perdu 30, elle a presque perdu 40 secondes, Clémence Latimier, sur ce précédent tour. Il lui reste 30 secondes, est-ce que ça va suffire? C'est à double tranchant là. Parce que le problème c'est est-ce qu'il lui reste de la force? C'est ça. Alors qu'à l'arrière, les chevaux sont lâchés entre guillemets. Avec la volonté forcément d'aller chercher la première manche de la Coupe de France, de succéder à Julie Bégaud, elle qui avait levé les bras dans des conditions difficiles. Elles étaient sorties, une première concurrente était sortie l'an dernier, il s'agissait de Ségolène Thomas. Julie Bégaud avait réussi à recoller la route Ségolène, puis elle avait lancé son accélération à quelques kilomètres de l'arrivée pour s'imposer en solitaire dans des conditions dantesques. Aujourd'hui, les conditions étaient plus agréables avec un vent quand même qui aura joué énormément pendant la course. Est-ce que cette épreuve verra une offensive évidemment récompensée, celle de Clémence Latimier qui aura ouvert la route pendant de nombreux kilomètres, ou est-ce que nous verrons une arrivée peut-être groupée, une arrivée au sprint, se disputer avec ce petit groupe? La réponse, nous allons la voir dans moins de 10 km. Nous sommes à 9 km pour être tout à fait précis du dénouement de cette épreuve. Et notre concurrente de tête a repris une poignée de secondes. Dernière écart, Lucie, 37 secondes. C'est toujours, toujours le même schéma en fait. Ça attaque derrière, ça revient. Ça reprend du temps et en fait ça se pose et voilà, elle repart, elle reprend du temps et ça peut aller au bout comme ça si elle s'écrase pas d'un coup. Tu commences à y croire là ou pas? Ah, je sais pas. Ah, je me mouille pas. Ah bah il va falloir quand même Mais derrière ça s'organise pas, mais ça fait un petit moment quand même qu'elle est toute seule et que En fait, la question, c'est est-ce qu'elle a encore de la force. Voilà, c'est ça le problème. Parce qu'il y a quand même cette côte du camping et on peut vite faire... Et on a vu tout à l'heure avec Sarah Pop notamment que... On revient vite, quoi. Ça revient vite, en fait, derrière. Ça peut revenir très vite. Et voilà, c'est le dernier tour. Donc là, les filles, elles vont se dire, c'est ma dernière chance. Et c'est encore le team L qui tente. On les a pas vues beaucoup, pas du tout, même en début de course. Elles ont réussi à se faire oublier. Alors, où est Justine Jégu, hein? C'est la question qu'on peut se poser. Elle qui était passée un petit peu à côté l'an dernier, hein, qui n'avait pas eu l'occasion de briller. Ouais, ça peut être un bon atout, Justine Jégu, parce que voilà, Clément Chéron, on l'a pas beaucoup vu. Elle sait pas comment se positionner avec le décalage horaire, tout ça, la fatigue. Donc ouais, au sprint, Justine, elle peut marquer des points et venir s'imposer. Mais il va falloir rentrer... Il va falloir rentrer sur la concurrente de tête qui est ici. Exactement, qui a mieux géré son virage. Oui, c'est ici qu'on avait eu une petite frayeur lors du tour précédent où on avait frôlé effectivement l'herbe. Elle essaye toujours de relancer quand même. Hein. On voit que voilà, elle se dit c'est bon, c'est le dernier tour. Elle n'a pas envie de se faire reprendre comme ça. J'ai pas fait attention comment elle était au niveau de l'alimentation. Si elle pensait bien à boire, pensait bien à prendre effectivement un petit gel, tout ce qu'il faut bien. Faut pas oublier de manger aussi, parce que voilà, quand on est comme ça, on est souvent la tête dans le guidon et à fond dans l'effort et on se dit bon, on ne pense pas forcément à manger et ça peut être justement le petit coup de mou en fin de course. Donc ouais, c'est important de se ravitailler. Et puis là, un petit coup de mou, ça pardonnera pas. Elle a pas assez d'écart. On évoquait 37 secondes il y a quelques instants. On va peut-être passer au-dessus des 40, puisque là, on a un petit flottement.
C'est quand même compliqué derrière pour s'organiser, hein, ça veut pas. Personne n'a envie de prendre la course en main et de rouler. C'est encore l'équipe vendéenne qui roule. Sarah Pop. Ouais, qui aura fait un gros travail. Ouais, si ça va au bout, Sarah Pop, elle pourra se mordre les doigts. Hein. Elle a essayé deux fois toute seule et c'est pas elle que ça aura souri. Alors que ça rattaque à nouveau et qu'on nous signale à l'instant que ça devient compliqué et que Clémence Chéreau, a priori pour la formation, la Nestérienne, est lâchée du groupe principal. Donc en cas d'arrivée au sprint, il ne faudra pas compter sur la pointe de vitesse de la concurrente, la Nestérienne. On l'a dit, hein, le décalage horaire compliqué à gérer. Revenu seulement mardi de Hong Kong avec 7 heures de décalage horaire, 14 heures d'avion qu'elle a dû réaliser. Donc ça ne sera pas pour elle en tout cas cette première manche de la Coupe de France, elle qui a gagné la première épreuve de l'année avec les plages vendéennes. Oui, pour être honnête, je ne pensais pas qu'elle serait aujourd'hui au départ après ce gros déplacement et ce gros bloc de piste. C'était peut-être une façon de revenir aussi dans le bain. Voilà, c'est ça. Mais elle a quand même voulu. C'est qui tout double. Oui, c'est ça, exactement. Et elle a quand même voulu prendre le départ et c'est une bonne chose de sa part. Mais c'est sûr que voilà, ça peut pas. Ça peut pas marcher à tous les coups. Et là, on voit la Braise Ladies qui prend les choses en main avec Alice et Rigaud, il me semble. Et toujours Chambéry. Et Chambéry contrôle parfaitement. Et ce qui fait que l'écart ne diminue pas aujourd'hui. On a eu la confirmation il y a quelques secondes. Toujours 40 secondes l'écart. Ça tient pour l'instant. C'est vraiment la côte là. Si elle arrive à avoir un écart supérieur à 45 secondes au moment de commencer la côte, ça peut le faire. On voit que c'est dur quand même. Hein. Là, c'est compliqué. Mais ouais, cette bosse, faut vraiment la monter à fond. Et à fond jusqu'à l'arrivée, mais c'est plus vraiment entre ses mains. Est-ce que le peloton va bouger derrière ou pas? En tout cas, c'est vrai que pour retrouver cette concurrence, Clémence Latimier, on a évoqué ses différentes performances il y a quelques minutes. Elle qui a eu l'occasion au début du mois de mars de briller aussi sur une épreuve italienne. Elle a été dans le top 10 d'étape en ce qui concerne des épreuves de classe 2 aussi. Donc elle a l'habitude des courses par étape. Elle a l'occasion de côtoyer aussi le niveau international. Et là, elle va virer sur la gauche, sur ce rond-point, alors que du côté du peloton, nous avons toujours la même situation avec les filles de la Braise Ladies qui emmènent pour le moment. Ouais, première manche de Coupe de France en Bretagne, elles ont aussi envie de briller. On les a pas trop vues encore. Non, pas encore. Hein. Mais bon, après, si on ne les a pas vues de la course et qu'elles arrivent à gagner, la mission sera remplie. Hein. On se rappellera du classement, pas forcément du scénario de la course. Exactement. C'est vraiment une fin de course. Remplie de suspense. Ouais. Là, pour vous donner le nom de la lauréate et encore moins du podium. Là, vous donnez le nom des trois premières, c'est compliqué. Est-ce que Noémie Abgral ou Florène Bernard vont retenter leur chance? C'est leur rôle. Et cette fois-ci, est-ce qu'un petit groupe va sortir dans les derniers kilomètres et réussir cette fois-ci à vraiment aller jusqu'à la ligne, parce que autant les autres tours, voilà, c'était pas l'arrivée, il n'y avait pas forcément une place en jeu. Mais là, voilà, on peut faire un top 5 à un podium. Donc je pense qu'il faudra pas calculer ses efforts et vraiment aller à fond. Réponse dans quelques secondes quand les concurrentes vont entamer les premières pentes de la côte du camping. Ah, c'est dur quand même. C'est vraiment dur, ouais. On voit que là, ça se dandine un peu, de haut en bas. Elle n'est plus aussi bien posée qu'elle a pu l'être les premiers kilomètres. Oh là là, oh là là. Ouais, là, on voit que ça relance, ouais, c'est... Ah, je pense que c'est terminé. Ouais, c'est compliqué. Je pense que c'est terminé, malheureusement, pour Clémence Latimier, qui donne tout, mais il aura manqué 5 kilomètres. Moi, je pense qu'il y aura eu 5 kilomètres de trop pour elle. C'est dommage. Derrière, la Braise Ladies se sacrifie vraiment. Voilà, elle a les coéquipières de Chambéry dans sa roue, mais voilà, c'est à fond, faut revenir maintenant. Et voilà, peut-être que
peut-être que quelqu'un va attaquer derrière. Ouais, ça va être compliqué. Hein. Maintenant, pour la concurrente de tête, Clémence Latimier, parce qu'on a vu que le coup de pédalage était loin d'être véloce. Bah, elle est plus du tout lucide, quoi. Peut-être qu'on évoquait tout à l'heure la fringale, peut-être qu'elle a pas assez mangé, qu'elle était à fond dans son effort et que... Mais du coup, maintenant, elle le paye cash, quoi. En tout cas, elle aura réalisé une belle performance. Hein. Chapeau à elle et chapeau au collectif de Chambéry pour la course réalisée. Alors, si ça peut évidemment se concrétiser pour eux avec une victoire à l'issue de cette course, ce serait encore mieux, le doublé après, évidemment, la victoire de Julie Bégaud l'an dernier. Mais ce n'est pas gagné. Puisque derrière, on a pas mal de formations représentées dans le groupe de compte. On n'a pas du tout les compositions du groupe de compte. La seule info qu'on a pu vous communiquer, c'est effectivement que Clémence Chéreau n'est pas dans ce groupe. Hein. La concurrente lanestérienne que l'on attendait pour la Brace Ladies, on a plusieurs cartes. On a plusieurs cartes aussi pour la formation Vendéenne, pour la formation La Dynamips, Clarisse Automobile. On a plusieurs cartes encore pour la formation de Chambéry. On a vu plusieurs féminines aussi pour le Team L, Groupama Pays de la Loire. Est-ce qu'il y a encore les filles du team Centre Val-de-Loire féminin? A priori oui, quelques concurrentes aussi pour l'UVAUBE. Voilà les infos que nous avons. Il y aurait peut-être quelques concurrentes de Mortomont-Benoît et a priori encore des Lyonnaises dans le coup, mais en quelle quantité, c'est la question que l'on se pose aujourd'hui. On n'a pas plus d'infos que vous à cet instant de la course, alors que l'écart est en train de fondre une nouvelle fois. 20 secondes le dernier écart. Oh là là. Ça s'annonce très compliqué là, 20 secondes. On avait dit qu'il fallait une quarantaine avant d'entamer la côte. Là, elle va virer sur la gauche. Voilà, et... 20 secondes en haut de cette bosse. Je pense que malheureusement. Ouais, ça va être compliqué. Ouais, le virage là, voilà. Elle va buter en plus. On va suivre avec elle, malheureusement, les derniers mètres dans l'échappée. Mais je pense qu'elle a plus la force nécessaire pour remettre. Ouais, voilà, là, elle a. Elle se lève même plus. Ah, ça y est, si, elle c'est arrive à se lever quand même. Hein, on voit que les relances, elles sont plus aussi. Aussi vif que tout à l'heure. Et regardez, ouais, désormais. Marquée, c'est compliqué. Et là, on va voir si le peloton arrive. Ah, bah le peloton est là. Okay. Et le régulateur qui dit à tout le monde: avancez les enfants. Ah ouais, avancez les motos, le peloton est là. La Brace Ladies a fait. C'est la Brace Ladies qui aura assuré le retour. Bon, ouais, du bon travail. On les a pas vus beaucoup, mais quand on les a vus, c'était pour. Pour bien travailler. Ah ouais, là c'est très compliqué. Et regardez la différence entre les concurrentes qui sont dans le peloton et la concurrente de tête qui va donc être récupérée, Clémence Latimier, que vous avez ici. Et derrière, on va essayer de rentrer avec, regardez cette formation Winspace, hein, avec Florent Bernard, aux avant-postes, qui va peut-être mener le train aussi actuellement pour Noémie Agbral. Est-ce qu'elles vont nous refaire la même chose qu'au dernier passage? On va voir, en tout cas les filles du Team L sont également de plus en plus présentes dans les premières Chambéry, positions. Chambéry est toujours là aussi. Hein. Et regardez la formation vendéenne sur la droite de votre image, à gauche de la route. Mais c'est vrai que les maillots de Chambéry sont très présents derrière. Hein. On aperçoit le rouge et le noir. Il y en a deux ou trois encore dans ce groupe. Et là c'est vraiment le suspense. Qui va oser attaquer la première et lancer les... Et ben voilà, Chambéry. Chambéry qui fait un gros effort. Alors on avait Emma Comte. On avait aussi dans ce groupe la présence de Marie-Louise Billard. Mais c'est peut-être le profil d'Emma Comte. C'est Emma Comte, ouais. Et ben là, ça bouge pas derrière. Hein. Ah, la Chambéry qui pour l'instant fait du tableau noir en ce qui concerne le scénario. Ah, faut pas et leur se retourner là. Emma Comte a priori qui serait partie en solo avec derrière toujours la même situation. Florent Bernard qui serait en train d'amener, mais ça se retourne un petit peu dans les premières positions du peloton. Au moment où la pluie s'abat ici sur la ligne d'arrivée, elles ont l'air encore d'être au sec sur leur partie du circuit. Mais après la côte du camping, à mon avis, elles vont être récupérées par les averses de Guégon. Elles n'ont pas eu besoin de rouler depuis un moment. Donc forcément, elle a un peu plus d'énergie que les autres, notamment. Et ça y est, elles sont sous la pluie. Il va falloir être vigilant hein, dans les virages. Ouais, elle a bien. Parce qu'elle a bien viré, hein. Et comme ça, c'est vrai que on a des petites portions qui peuvent être aussi compliquées à gérer avec la pluie qui va détremper la chaussée qui était jusque-là plutôt sèche. Ouais, elle a fait déjà un petit trou quand même. Hein. Ah, il y a un trou et on a encore une petite vingtaine de concurrentes derrière. Et elle relance vraiment bien.
elle a pas eu besoin de faire d'efforts, elle a pas eu besoin de rouler, il y avait sa coéquipière devant, donc ouais, c'était la position idéale. Et elle a attaqué au bon moment. Mais c'est là aussi qu'on peut contre-attaquer derrière, là, dans exactement, ce petit... Ouais. Tout à l'heure, il y a eu beaucoup... ouais, les tours précédents, il y a eu pas mal d'attaques ici. Ouais, mais on avait encore une concurrente. On a peut-être finalement repris Clémence Latimi un petit peu tôt. C'était peut-être l'endroit ici où fallait la reprendre pour éviter des attaques, en tout cas pour avantager les sprinteuses présentes encore dans ce peloton s'il y en a. Et la confirmation, c'est bien Emma Comte au commandement hein, de l'épreuve. Ça a été annoncé sur les ondes de Radio Tour. Et qui va vouloir rouler derrière Pas Chambéry, ça c'est une certitude. Chambéry qui va rouler pour contrer évidemment tout au long de cette fin de course, comme c'était le cas les minutes précédentes. Ils font vraiment une belle course depuis la mi-course. Et là, ouais, faut pas se retourner, faut. Ah, c'est pas fait quand même, hein. Non, on les aperçoit, hein, ils sont pas loin. Hein. Et c'est encore long là, hein. C'est mine de rien, c'est pas. Ça va arriver au sprint cette histoire. Alors là, pour savoir qui gagne au sprint. Après 100 km, ça risque d'arriver au sprint. Et Emma Comte qui se retourne à nouveau. Le peloton n'était toujours pas là. Est-ce qu'une équipe va lancer son train ? On ne sait pas. On va voir ça dans quelques instants, en tout cas, pour saluer Emma Comte, hein, celle qui a eu l'occasion d'être deux fois dans le top 10 des championnats de France, que ce soit sur la route ou en contre-la-montre, dans le rang des juniors en 2022, et qui est désormais dans les derniers mètres. Ah, ça peut le faire. Il ne faut plus se retourner, là, c'est à fond jusqu'à la ligne. Elle est dans le dernier kilomètre, elle a déjà levé les bras en 2024, Emma Comte, elle a remporté l'altitude Tour, elle était deuxième en classe 2 en Italie. Faut vraiment plus. Est-ce que ça va passer pour elle? Et ça serait le doublé pour Chambéry. Après la victoire de Julie Bégaud l'an dernier, elle qui a été sacrée quelques mois plus tard, sa victoire à Guégon, championne du monde dans la catégorie des juniors. On voit pas le peloton encore. Hein, c'est... Le peloton n'est pas là et c'est le bon moment pour elle. Ah, on est à la... Une fille en solitaire, il me semble, derrière. Qui est en train de sortir. Elle est en train de sortir, ouais. Ouais, c'est peut-être un peu tard pour... Ah, quoique... Ouais, ça peut le faire, hein. On est à 200 mètres désormais pour la concurrente de tête, elle est là, à moins de 200 mètres, elle va aller chercher le succès, Emma Comte. Moi je pense que c'est fait, ça y est, elle va savourer, et on va avoir la même image que l'an dernier, un maillot rouge et noir qui savoure la victoire de la première manche de la Coupe de France N1, après Julie Bégaud l'an dernier, la formation de Chambéry va s'imposer une nouvelle fois, mais cette fois-ci c'est Emma Comte qui va aller chercher le succès, Emma Comte qui s'impose et qui savoure le succès obtenu sur l'épreuve, et pour la deuxième place, on va attendre de voir, évidemment, peut-être avec la performance qui va être celle, effectivement, réalisée par Léane Tabu, la triple championne de France, qui prend la deuxième place aujourd'hui. Alors, on savait qu'elle avait une belle pointe de vitesse. Et on attend peut-être la confirmation pour la troisième place. Ouais, je vous avoue que je n'ai pas vu du tout ce qui s'est passé. C'était une belle arrivée, hein. Franchement, elle s'est donnée à fond. C'était le bon moment pour attaquer. Allez, a priori, Justine Jégus serait cinquième selon les dernières infos. On va revoir le ralenti et la victoire aujourd'hui qui est revenue de très belle manière à Emma Comte. Regardez le succès, regardez la joie qu'elle a lorsqu'elle franchit la ligne. Emma Comte qui s'impose, Léane Tabu qui prend la deuxième place et la troisième place qui revient à l'instant. On va avoir, et regardez en tout cas le nombre de filles de Chambéry qui sont là. Justine Jégu quatrième, non? Ouais, a priori quatrième, Justine Jégu ouais. qui serait quatrième. On va pouvoir voir ça dans un petit instant, ouais. On va attendre la confirmation peut-être pour la troisième place. On va se retrouver dans quelques secondes, évidemment, pour l'interview des lauréates qui vont pouvoir nous rejoindre. Elle a eu le temps de savourer un petit peu, en plus, en arrivant comme ça toute seule. C'était vraiment une belle arrivée. Qu'est-ce qu'on retient là, effectivement, si on doit, Lucie, retenir quelque chose là de la course, résumer un peu ce qui s'est passé, finalement.
Ben, on a vu une grosse équipe de Chambéry tout au long de la course. Elles étaient super bien représentées et elles ont fait une super belle course d'équipe. Donc c'est cool qu'elles soient récompensées avec la victoire. Elles le méritent. Et voilà, la Vendée aussi a fait un excellent travail, mais peut-être un peu trop tôt dans la course. Et du coup, il n'y avait plus assez de filles pour concrétiser et gagner en fin de course. Mais voilà, ouais, Chambéry, on a vraiment vu beaucoup de rouge et de noir aujourd'hui. Et Mâcon qui s'impose donc, on aperçoit les images de joie. Léane Tabu qui prend la deuxième place, Amalia Debarge qui prend la troisième place pour le team Buffal et Lyonnaise, Justine Jégu qui est bien quatrième pour le team L Groupama Pays de la Loire, Jessie Marel qui prend la cinquième place pour Chambéry Cyclisme Compétition, Marine Ferré qui termine elle à la sixième place, Axel Guirado qui est 7e pour le Lanester Women Morbihan, Florène Bernard 8e pour Winspace, Nina Lavenue 9e pour Chambéry et Colin Rabi 10e pour le Team L. Ce qui veut dire donc en ce qui concerne effectivement les places dans le top 10 que nous avons 4 concurrentes de Chambéry dans le top 10. Ouais, c'était vraiment un fort collectif aujourd'hui et 2 filles dans le top 5 comme l'année dernière. Elles ont vraiment fait le première et cinquième, elles ont vraiment fait la même chose que l'année dernière, un copier-coller mais pas avec les mêmes filles. Non, on l'avait dit, hein, l'effectif qui a changé hein, avec le temps et on se retrouve avec cette belle performance réalisée aujourd'hui par les filles de Chambéry et qui marque une nouvelle fois qu'il faudra compter sur elle hein, pour cette manche de Coupe de France, pour ces différentes manches de la Coupe de France. On rappelle cette année, il y aura 5 manches de cette Coupe de France réservées à la catégorie des N1. Il y a eu la première manche aujourd'hui, les boucles guigonnaises avec le dénouement que l'on vient de vivre. Il y aura le chrono 47 le 28 avril prochain. Le 16 juin, ce sera donc le classique féminine Vienne-Nouvelle-Aquitaine. Le 30 juin, la classique féminine du Val-de-Morteau en Bourgogne-Franche-Comté. Et nous terminerons en Bretagne, dans le Finistère, le 31 août et 1er septembre, avec la Pointe du Raz Ladies Classic qui sera organisée par toute l'équipe d'Yves Thomas. On va, en attendant les premières réactions, en profiter pour revoir évidemment ce qui nous a marqué ensemble, Lucie, ce qui nous a marqué aujourd'hui sur cette course avec le petit résumé proposé par Valentin qui va nous permettre eh bien, de revenir avec toute l'équipe de 3SCV sur le départ donné à 15h. Avec 80 concurrentes, hein, un petit peu moins de 80 qui se sont élancées sous le soleil et avec du public ici à Guégon. Une course qui a mis du temps à se décanter finalement et avec une concurrente qui aura été remarquable, Sarah Pop. Ouais, elle a animé le début de course jusqu'à la mi-course et ouais, toute son équipe, elles ont roulé une bonne partie de la course. Ensuite, c'est Chambéry qui a pris le relais, mais on les a franchement beaucoup vues. Elles ne sont pas récompensées aujourd'hui, mais ouais, faudra retenir qu'elle marche et c'est dommage de pas être récompensée, mais je pense qu'elles peuvent faire une belle saison cette année. Et puis Chambéry avec Clémence Latimier dans un premier temps qui a eu l'occasion de s'illustrer, puis ensuite celle qui est sortie dans les derniers kilomètres, Emma Comte, pour aller chercher le succès. Emma Comte qui s'impose et qui succède à Julie Bégaud. Voilà donc la lauréate de cette nouvelle édition des boucles guégonnaises. Léane Tabu termine deuxième pour le team Centre-Val de Loire. Amalia Debarge est troisième. Justine Jégu quatrième. Jessie Marel cinquième. Marine Ferré 6e, Axel Guirado a pris la 7e place, Florène Bernard 8e, 9e Céline Lavenue, 10e Colin Rabi. Voilà pour le top 10 de cette première manche de la Coupe de France. On rappelle que les 20 premières marquent des points. Je regarde pour la Braise Ladies, la première c'est Ilona Roy qui prend la 15e place. Voilà pour la formation Braise Ladies, la première lanestérienne c'est Axel Guirado qui est elle 7e. Voilà pour le résultat des Bretonnes, on est un petit peu chauvin puisque nous sommes en Bretagne pour cette première manche. On va encore attendre quelques secondes peut-être pour avoir la réaction d'Emma Comte qui va pouvoir peut-être venir nous rejoindre dans un petit instant. Elle va pouvoir nous rejoindre dans une poignée de secondes, l'occasion de lui tendre le micro évidemment et qu'elle puisse nous expliquer comment ça s'est passé pour elle aujourd'hui sur cette
première manche de la Coupe de France. On a été surpris par le scénario, ça a mis du temps à sortir, mais finalement, c'est une échappée qui s'impose. Exactement, et ce qu'il faut retenir, c'est qu'on doit compter sur cette saison encore, sur le team féminin Chambéry pour le classement individuel, mais également pour le classement par équipe, parce que voilà, elles sont quand même nombreuses dans le top 10, donc c'est encore une équipe qui s'est renouvelée, mais c'est encore une équipe avec des beaux potentiels. C'est peut-être ça qui est le plus marquant aussi. C'est qu'au-delà du résultat individuel, cette équipe qui a été renouvelée en grande majorité a réussi à encore faire le bon recrutement, exactement, aller ouais. chercher les bonnes filles pour être présent aussi au niveau collectif. Exactement, ouais. Allez, on va pouvoir retrouver dans un petit instant, évidemment, les concurrentes qui ont marqué cette première manche de la Coupe de France. On vous remercie en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui. L'occasion de vous rappeler que demain, on se retrouvera à partir de 9h50 pour vivre la Coupe de France réservée à la catégorie des Nationales 2. Et puis à 14h55 pour vivre les boucles guéguenaises réservées aux hommes du cyclisme. Au programme, vous l'avez compris, ici à Guégon pour cette journée du dimanche dans des conditions sous le soleil. On nous dit pas de pluie demain, un temps sec, Lucie. Donc ça devrait être un beau temps breton. C'est ça, exactement. Les N2 devraient être contentes demain matin, même si les températures vont une nouvelle fois baisser par rapport à ce que nous avions ces derniers jours. Et nous devrions retrouver Emma Comte dans une poignée de secondes, avec peut-être également Léane Tabu dans la foulée. On en profite une nouvelle fois pour remercier toute l'équipe de 3SCV d'avoir permis la réalisation de ce direct, avec Valentin la réalisation, les motards qui nous ont accompagnés avec nos différents caméramans. Et on va pouvoir donc pouvoir tendre le micro, évidemment, dans une poignée de secondes à la lauréate qui va pouvoir nous rejoindre. On va la laisser s'installer, répondre évidemment aux sollicitations de la presse avant de pouvoir nous rejoindre. Et puis il y aura la cérémonie protocolaire qui aura lieu juste après avec Emma Comte, hein, qui sera rejointe par Léane Tabu et Amalia Debarge, qui sera également mise à l'honneur. On attend maintenant encore quelques secondes. Bah, on va la retrouver dans quelques secondes. Elle est en compagnie de nos cadreurs, l'occasion de les saluer pour le travail réalisé aujourd'hui. Et on va pouvoir avoir donc la première réaction à chaud d'Emma Comte. Au moment où on revoit évidemment son arrivée, elle prend même le temps de se retourner, ouais, de regarder, et là, c'est la fête. C'est sa journée, quoi. Elle a pu profiter un maximum. Et ouais, c'est beau à voir. On a vu qu'elle était hyper contente. Et voilà, elle va endosser le maillot de leader. Donc c'est pas rien. Elle a déjà eu l'occasion de briller, hein, sur l'altitude tour. Je vous le disais tout à l'heure en ouverture. Elle était deuxième il y a quelques semaines en classe 2 en Italie. Hein, c'était pour l'année 2024. Et on va la laisser s'asseoir au milieu. Évidemment, Emma qui va pouvoir nous rejoindre. Elle va pouvoir prendre la place. Félicitations. Félicitations. On va te laisser prendre le micro qui est allumé. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé pour toi. Parce que on a l'impression qu'à partir de la deuxième moitié de course, on a vu finalement que la formation de Chambéry Cyclisme Compétition. Franchement, je suis trop fière. Parle de l'équipe. Bien, ouais, merci. Je suis trop fière de l'équipe. On était super fortes. Et à partir de la moitié de la course, on s'est retrouvés trois dans un petit groupe. Il y a Clémence qui a attaqué et j'ai vraiment cru qu'elle allait au bout. Nous, on contrôlait bien derrière. Vraiment, toute l'équipe s'y est mise à... on sautait sur toutes les attaques, on laissait sortir personne. Bon, malheureusement, elle a craqué à la fin, mais... J'ai réussi à contrer au moment où on l'a rattrapé et c'est allé au bout. Mais même si c'était pas allé au bout pour moi, il y en avait encore notre sprinteuse derrière. Donc franchement, je suis trop super fière de mon équipe. Comment t'expliques le fait finalement que vous étiez dans tous les coups, vous arriviez à sauter dans toutes les attaques derrière qui voulaient revenir sur Clémence?
Parce que je pense qu'on est soudés, on s'entend très bien et on était hyper motivés. Et voilà, du coup on est chacune prête à se sacrifier pour les autres. À quel moment toi t'as senti à l'arrière que c'était le moment d'y aller quoi? Fallait y aller à ce moment-là pour aller chercher le succès? À l'entame du dernier tour, quand il n'y avait plus que 30 secondes, je m'étais dit que ça allait être compliqué pour Clémence. On continuait à contrôler et on l'a rattrapé dans la bosse et au sommet de la bosse, on avait vent de travers, donc je savais que c'était dur et du coup j'ai mis une attaque ici et personne ne m'a suivi. Félicitations. Emma, on a vu que tu étais en forme là ces derniers temps, tu enchaînes pas mal les objectifs pour cette année. Oui, je suis super contente de mon début de saison, franchement je m'attendais pas à ça, donc super cool. Et les objectifs, tu t'en es fixé quelques-uns quand même ou pas spécialement pour la suite? Y a le championnat de France Espoir qui arrive et j'aimerais aussi faire des bonnes performances sur des courses UCI où on est invité, voilà. On va te laisser aller savourer parce que tu as déjà savouré, tu as eu la chance de pouvoir savourer sur la ligne. Maintenant, il y a le podium qui t'attend. Félicitations, on va Merci. Te laisser aller sur le podium. Salut. Toute l'équipe qui est derrière pour pouvoir profiter évidemment de ce succès. On va nous se saluer. Lucie, merci beaucoup de m'avoir accompagné aujourd'hui. On a passé un bon moment. On va se retrouver évidemment demain à partir de 9h50 pour vivre la Coupe de France réservée à la catégorie des N2 et puis les boucles guéguenaises que nous vivrons à l'image des 14h55 réservées aux hommes demain après-midi. Bonne soirée, bonne nuit, rendez-vous demain de bonne heure. Et de bonne humeur. Pas d'excès. Non, promis. À demain matin avec grand plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée.